Bonjour à tous, bienvenue sur cette troisième édition du Conseil scientifique indépendant. Conseil scientifique pour vous permettre d'avoir une information la plus objective possible sur la crise, parce que vous êtes tous là, on vous dit des choses partout, ici ou là, qu'est-ce que vous devez penser? Et on a pensé qu'il était important que vous puissiez avoir des professionnels, des spécialistes crédibles. Et regardez bien, ça s'appelle Conseil scientifique indépendant. Donc c'est de la troisième édition, ça veut dire qu'il n'y a personne ici n'a de conflit d'intérêts. Troisième édition, la dernière fois vous avez été plusieurs centaines de milliers à nous écouter et nous avons eu les honneurs de la censure de Google, de YouTube, c'est-à-dire que la censure c'est en quelque sorte un petit peu la Légion d'honneur aujourd'hui. Louis vous en parlera tout à l'heure, voilà. Donc nous allons vous présenter ce soir plusieurs intervenants qui vont arriver un par un et se présenter. Alors Éric Menat d'abord, Éric bienvenue. Et bonsoir Olivier, bonsoir à tous, merci à tous ceux qui seront avec nous en direct et je me suis déjà présenté lors d'une autre session, mais voilà, je suis médecin généraliste et je fais partie à la fois de la coordination santé libre et du conseil scientifique indépendant dans lequel j'essaie un petit peu d'apporter ma vision très pratique de l'aspect et de la crise sanitaire et l'aspect comment dirais-je, clinique de la prise en charge. Une vision où tu nous partages vraiment ton expérience clinique et aussi toutes les connaissances que tu as de référence de tous les groupes auxquels tu participes, ce qui fait que tu nous donnes beaucoup d'informations. Voilà, on continue. Michel. Bonjour. Voilà. Michel Maffezoli. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, merci. Je te laisse te présenter. Oui, bah écoute, en quelques mots très simples. Permettez-moi de dire, je suis par rapport à vous un candide, hein, ou un béotien, parce que je ne suis pas du tout médecin. Je suis docteur d'État, mais en lettres et en sciences humaines. J'ai été pendant 35 ans professeur de sociologie à la Sorbonne. Je suis maintenant ce qu'il est convenu d'appeler un professeur émérite, c'est-à-dire tout simplement à la retraite, c'est un truc comme ça, quoi. J'ai dirigé un centre d'études sur l'actuel et le quotidien, et je dirige à la Sorbonne, et je dirige actuellement encore un centre de recherche sur l'imaginaire à la Maison des sciences de l'homme à Paris. Voilà. Je le dis de suite, hein, quand j'ai accepté de venir, c'est plus pour parler sur la crise civilisationnelle, parce que j'ai pas de compétences, tout simplement, pour parler sur la crise sanitaire. J'ai dit tout à l'heure, un candide ou un béotien. Voilà pour ce qui me concerne. Oui, un candide, un béotien ou un sage, en quelque sorte. Tu vas nous donner en plus la vision de l'Antiquité, la vision du recul du temps, puisque ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas nouveau, puisque ça a déjà existé, mais tu vas nous partager ça. Allez, Michel Rivasi, bienvenue. Bonjour, ben bonsoir à tous, à toutes et à tous. Ben écoutez, je m'appelle Michèle Rivasi, je suis députée européenne, c'est mon troisième mandat. Je suis professeure agrégée en biologie et je m'occupe beaucoup de tout ce qui touche à la santé et à l'énergie. Vous savez, j'avais créé la CRIRAD en 86 pour dénoncer le mensonge de Tchernobyl à l'époque. Et ça n'a pas été simple, hein, il a fallu 20 ans pour que les autorités acceptent qu'ils avaient menti à la population française. Et bien là, vous voyez, sur l'histoire du Covid, ben ça se passe maintenant au Parlement européen. Et je vous parlerai des contrats, la saga des contrats, pour essayer d'obtenir le minimum du minimum que ce qu'un député est en droit de savoir. Oui, on a vu pas mal de tes interventions là-dessus. Tu es une des rares députées européennes à avoir le courage d'affronter, le courage de parler, et il en faudrait beaucoup plus comme toi. Effectivement, et humoristiquement, on pourrait dire que le nuage de Tchernobyl, c'est l'archétype historique du mensonge, un petit peu la blague de Coluche qui revient perpétuellement, et qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a des montagnes de nuages de Tchernobyl, et il faudra peut-être faire pas mal d'années, mais on va essayer de mettre notre petite pierre, nous, ici, ce soir, pour essayer d'avancer sur des informations plus réelles. En tout cas, bravo, Michel, pour tout le travail que tu fais. Nous accueillons maintenant Vincent Pavant. Bonjour, Vincent. Non. Oui, bonsoir à tous. Vincent Pavant, donc mathématicien, et puis j'essaye de décoder
un peu les chiffres pour vous, de sorte qu'on puisse faire effectivement apparaître quelques vérités numériques à travers ces tonnes de chiffres qui nous tombent dessus et qui tombent un peu sur tout. Voilà, je suis ravi d'accueillir avec vous ce soir et d'apprendre à connaître eh bien, Michel et Michel, voilà, qui sont effectivement avec nous ce soir. Et tu nous as déjà fait la dernière fois une présentation très très intéressante et je crois que aujourd'hui nous on va encore avoir une présentation aussi intéressante et on accueille pour terminer Louis Fouché et Hélène Banoun, Hélène qui a les honneurs de la censure. C'est on va finalement on va considérer aujourd'hui que si l'information n'est pas vraiment très intéressante, elle a assez peu de chances de se faire censurer. Quand une information est censurée, c'est une sorte de légion d'honneur. On devrait faire des décorations pour ce côté censuré plus longtemps, souvent. Bon, Louis et Hélène, présentez-vous. Et puis Louis va nous expliquer un petit peu comment faire, comment réagir face à cette censure, puisqu'on ne va pas rester inactif par rapport à ça. À vous. Alors, moi, c'est Hélène Banoun, pharmacien biologiste. Donc, la semaine dernière, j'ai eu le malheur ou l'honneur, je ne sais pas, de faire une présentation sur l'incohérence des chiffres officiels. Et donc, YouTube a censuré la vidéo. Mais je pense que vos interventions étaient aussi, sinon plus intéressantes que la mienne. Donc, je ne sais pas pourquoi. Il va falloir faire une enquête. Voilà. Bonjour à tous. Merci, Olivier. Bonjour, Michel. Bonjour, Vincent. Bonjour, Michel. Bonjour, Eric. On commence à être nombreux, en fait. Hein. Les auditeurs et les spectateurs peuvent voir que, bah, de fil en aiguille, ce conseil scientifique, il s'étoffe, il se constitue, il prend des influences dans plein de champs différents, y compris dans les sciences humaines, pour essayer de donner un regard plus ample sur cette crise. Moi, je suis médecin anesthésiste réanimateur, je travaille à la conception à Marseille. Vous savez qu'on est toujours sur une sorte de ligne rouge à pas franchir vis-à-vis du Conseil de l'Ordre. Puis maintenant, il y a une deuxième ligne rouge, effectivement, qui est celle de YouTube et des GAFAM, qui décident de ce que c'est que la vérité scientifique et de ce qu'on devrait comprendre du monde tel qu'il est aujourd'hui. Ben, je crois que ça, il faut pas laisser faire, en fait. Hein. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une privatisation de la parole et qu'il y ait une inquisition progressive qui se mette en place. Donc on est en train de structurer une réponse pour tenir le rapport de force face à ces géants-là qui ont des écailles, qui ont des trous dans la carapace et dans la cuirasse. Mais un des trous, c'est le collectif. Si on est tout seul, ces monstres-là, on est broyé, ce sont des machines. Par contre, si on est nombreux, on peut essayer de recréer un dialogue et de réouvrir le dialogue, notamment avec tous ces gens qui sont derrière la machine. Parce qu'il y a des algorithmes, il y a des bots, mais il y a aussi des humains. Et c'est ces humains-là qu'il faut essayer de toucher, et toucher à la fois dans la tête et dans le cœur, en leur disant qu'il n'y a pas de raison, en fait, de mettre de l'inquisition sur la parole scientifique. Et donc, la proposition, finalement, on mettra les liens en dessous de la vidéo quand elle sera publiée définitivement, mais si vous avez envie de recréer ce dialogue, et dire mais pourquoi Hélène Banoun, qui est à côté de moi, a été censurée alors qu'elle portait les données du réseau Sentinel, qui est un réseau tout à fait officiel national. Pourquoi est-ce qu'elle est censurée, en fait? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de parler de ça? Je crois que vous pouvez prendre votre plume et votre stylo moderne, qui est votre clavier, et envoyer un petit mail au service client de Google. On mettra les différentes adresses professionnelles vers lesquelles vous pourrez écrire de manière tout à fait courtoise pour réouvrir ce dialogue. Et puis, il reste Jean-Dominique, Olivier, peut-être qu'on peut faire monter aussi. Très volontiers. Ben, bonsoir à tous. Jean-Dominique Michel, anthropologue de la santé franco-suisse. Très heureux d'être avec vous, d'autant plus que Michel Maffezoli, pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui sont extérieurs au domaine des sciences humaines et sociales, c'est un peu le Zinedine Zidane de l'anthropologie de l'imaginaire. Je me suis formé dans son sillage, donc moi j'ai essayé d'appliquer au domaine de la santé les terrains qu'il a défrichés. Et puis très heureux aussi d'être avec Michel Rivasi, qui pour moi est un peu la Louise Michel du Parlement européen, pour rester dans des métaphores élogieuses, mais qui cherche à véhiculer un peu de l'admiration que j'ai pour vous deux, ainsi que les autres personnes présentes. Bien, 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 bien. Louis, tu veux encore nous dire un petit mot sur la censure? Louis, est-ce que tu veux nous rajouter un petit mot sur la censure? C'est bon? Bien, je ne t'entends plus, Louis, tu n'as plus de micro. Bon, alors, on va commencer. Tu voulais rajouter quelque chose, Louis? Tu n'as plus de micro, on ne t'entend plus. Non, non, juste, je voulais pas rien rajouter, c'est très bien comme ça, mais comme tu m'invites à parler, ben, je vais parler. je crois que les gens doivent en prendre conscience, simplement. Il y a beaucoup de gens pour qui ça n'existe pas. Pour qui, actuellement, le discours serait libre, en fait. N'importe qui pourrait dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ben, faut que vous compreniez que c'est pas vrai. Réinfo Covid, on est à plus de la 8e vidéo censurée, dont une, par exemple, pour ma pomme, sur l'oxygénation et la capnie. Donc, l'oxygène dans le sang et le gaz carbonique. C'est mon métier, en fait.
tous les jours, je règle des respirateurs. Je fais que ça. Je suis un vrai spécialiste de ça. Pour le coup, il y a des choses où je suis pas un spécialiste, mais ça, je suis un spécialiste. Et ben, cette vidéo a été censurée. Donc, comprenne qui pourra. Et je crois que ça va dessiller un petit peu les gens au fur et à mesure. Merci. Oui, voilà. Donc, effectivement, on a une information aujourd'hui. Il est très, très important que vous puissiez avoir une information efficace. Et c'est vraiment notre objectif. Nous sommes à votre service pour essayer de vous donner cette information. Et le CSI est issu de la volonté de se réunir d'un certain nombre de collectifs comme Laissons les médecins prescrire, Info Covid, La Quatrième Voie, l'AMCIB. Et nous sommes là pour être un petit peu le porte-parole, pour faire une sorte d'enseignement. Et alors, nous allons commencer ce soir dans cette volonté de vous apporter des informations par Éric Menat. Éric Menat, qui était à l'origine de la Quatrième Voie et de ce manifeste de la Quatrième Voie, qui a vraiment expliqué qu'il y avait un autre traitement. Alors, ce fameux traitement ambulatoire précoce est quelque chose de fondamental parce que tous les pays qui l'ont appliqué, comme l'Inde par exemple, ont aujourd'hui un effondrement des cas. Tous les pays qui sont, même le Portugal, qui s'est décidé après sa grosse épidémie de Noël de l'appliquer, à un effondrement des cas. Et donc, ce serait en quelque sorte, je dis pas l'arme absolue, mais c'est ce qui permettrait de faire disparaître. Et vous connaissez tous l'éternel problème qui dit qu'on ne peut pas avoir une AMM proviseur pour un vaccin s'il y a un traitement précoce. Et donc, Eric va nous parler de ce traitement ambulatoire précoce qui est facile, qui est globalement sans danger, qui est à la portée de tous les médecins. Il y a même une partie qui est à portée de tout le monde, puisque tout le monde prend de la vitamine D, de la vitamine C et du zinc. Et il va nous expliquer l'importance. Et si ce traitement pouvait apparaître, ce serait fondamental. À toi, Eric. Merci beaucoup, Olivier. Merci pour ta présentation. Alors, effectivement, ce soir, je vais vous parler du traitement ambulatoire précoce. Je ne vais pas vous le détailler dans toutes ses composantes. Et surtout, je ne vais pas vous abreuver d'études. Je crois que ce que vous avez besoin de comprendre d'abord, c'est pourquoi il n'est pas utilisé. Et nous parlerons évidemment un petit peu de ses caractéristiques ensuite. Mais le plus important pour moi, je pense, nos internautes ce soir et ceux qui verront cette présentation en différé, ne sont pas forcément des scientifiques, des spécialistes, c'est pas forcément des chiffres et des études et des virgules et des petits p qui va les convaincre. Mais mon objectif, c'est de vous faire comprendre comment les choses se sont passées et pourquoi on en est encore à réclamer un traitement dans le domaine du Covid. Donc, la première question évidente, c'est quand même que cette épidémie, elle est là depuis 18 mois. Ce virus, il est connu bientôt depuis 2 ans et on n'a toujours aucun traitement officiel pour le traiter, apparemment, en tout cas, si on en écoute les autorités. Et ça, c'est quand même très surprenant. Comment se fait-il qu'on n'ait pas de traitement aujourd'hui reconnu et utilisable et qu'on continue à laisser les patients seuls chez eux sans aucun traitement? Alors, on va se replonger un petit peu un an en arrière et je vais vous poser une question curieuse. Si vous aviez été ministre de la Santé en avril 2021, quel aurait été votre choix? Alors, ne croyez pas que c'est si compliqué que ça. Vous allez voir, c'est même plutôt simple. En présence, nous avions dans le coin gauche du ring le remdesivir. Et que savions-nous à l'époque en avril 2020? Parce que évidemment, il est trop facile de parler après coup, donc je me suis replongé à l'époque. Et ce médicament à l'époque était évidemment très nouveau. Il était connu exclusivement pour lutter contre la fièvre Ebola et il n'avait jamais été utilisé pour autre chose. On a remarqué dans des éprouvettes qu'il était potentiellement efficace sur le coronavirus. Donc on s'est dit, ça va être peut-être le candidat, ça va peut-être être le traitement. À cette époque, il n'y avait aucune autorisation de mise sur le marché de ce médicament dans aucune maladie. Donc, il n'avait jamais été utilisé, personne ne le connaissait, à part quelques spécialistes. C'est un antiviral, il faut bien comprendre, donc c'est logique de vouloir l'utiliser contre le coronavirus. Mais il a plusieurs défauts. Il est utilisé uniquement par voie intraveineuse, donc il est exclusivement utilisable à l'hôpital, donc jamais au début de la maladie. Et malheureusement, on a très vite compris qu'il fallait traiter les gens le plus tôt possible au niveau des antiviraux parce que dans la deuxième phase de la maladie, il ne s'agit plus de maladie virale. Ça veut dire qu'un malade qui est hospitalisé a des complications qui sont liées au virus originel mais qui ne sont plus en lien direct avec ce virus. C'est lié à l'immunité, au déséquilibre immunitaire. Et là, les antiviraux ne servent plus à rien. Donc, on avait un médicament qui était utilisable trop tard, aucun recul sur ses effets secondaires et quand même qui coûtait 2000 euros par personne. Dans l'autre coin du ring, nous avions cette association azithromycine-hydroxychloroquine, largement plébiscitée par le professeur Raoult. Ces médicaments, à l'époque, étaient déjà très très connus. Ils existent depuis des décennies.
ils sont potentiellement eux aussi efficaces à cette époque. C'est ce qu'on avait constaté dans des éprouvettes, mais aussi déjà dans des études cliniques en Chine en particulier. Ils paraissaient efficaces sur le coronavirus. Ils disposent dès 2020 d'AMM dans d'autres domaines de maladies infectieuses. L'azithromycine, par exemple, est un des antibiotiques les plus utilisés dans les infections respiratoires. Donc, on n'a pas sorti non plus ces médicaments d'un chapeau. Ces médicaments sont donc connus absolument par tous les médecins généralistes qui maîtrisent parfaitement leurs précautions d'emploi. Moi, je les ai utilisés depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, dans de très nombreux cas. Donc, c'était des médicaments très faciles à prescrire en ville, très précocement, dès qu'un patient était malade. Et, cerise sur le gâteau, le traitement complet coûte 20 euros, 100 fois moins que le précédent. Quand vous avez ces deux médicaments ou ces deux protocoles à choisir, ils ont une efficacité potentielle. À l'époque, on ne savait pas lequel serait forcément le plus efficace, mais lequel auriez-vous pu choisir, vous, à la place du ministre pour décider de traiter les gens en attendant d'avoir plus d'études? Est-ce qu'il ne fallait utiliser aucun de ces médicaments et attendre des études qui auraient pu mettre un an, deux ans à arriver, ou bien fallait-il utiliser des médicaments? Qu'est-ce qu'a choisi l'agence du médicament et le ministre? Eh bien, ils ont donné une autorisation temporaire d'utilisation au remdesivir, qui avait quand même un certain nombre de handicaps, et ils n'ont jamais recommandé l'utilisation de l'association azithromycine-hydroxychloroquine. Malheureusement, apparemment, ils ont dû avoir tort, puisque l'OMS a reconnu officiellement que le remdesivir présentait des effets secondaires potentiellement graves, surtout sur le rein, et était totalement inefficace pour soigner les malades. Évidemment, puisqu'on donne ce médicament beaucoup trop tard de toute façon. Pourtant, en France, le remdesivir a toujours son autorisation temporaire d'utilisation et certains services l'utilisent encore. On a quand même une question à se poser. Mais à l'époque, il s'est passé quelque chose de pire. Notre ministre de la Santé a pris un décret pour interdire l'hydroxychloroquine en mai 2020. Pourquoi ? Le 22 mai, le Lancet, une revue qui est considérée comme une des plus grandes revues scientifiques, publie un article à charge vraiment très très critique contre l'hydroxychloroquine en parlant à la fois de son inefficacité et de ses dangers. Je vous rappelle que c'est un médicament qui était en vente libre depuis 40 ans. N'importe quel médecin, sincèrement n'importe quel médecin, en lisant cette étude, pouvait se rendre compte qu'elle était totalement bidonnée, qu'il y avait des biais, des erreurs de tous les côtés. Pourtant, notre ministre, M. Véran, qui est quand même médecin spécialiste, a pris cet article pour argent comptant, a considéré que c'était un très bon article et uniquement sur la base de cette étude, a décidé par décret d'interdire le médicament, l'hydroxychloroquine, qui était pourtant en vente libre depuis 40 ans. Quelques jours plus tard, comme on pouvait s'y attendre, le Lancet s'est rétracté, les auteurs se sont rétractés et cet article a été jugé bidon, pour ne pas utiliser un mot plus vulgaire. Qu'a fait notre ministre? Eh bien, il est resté droit dans ses bottes et il n'est jamais revenu sur son décret. Sachez par contre que le 11 juillet 2020, à la fin de l'état d'urgence, ce décret est tombé automatiquement, comme tous les décrets qui avaient été pris pendant l'état d'urgence, et l'hydroxychloroquine aujourd'hui n'est pas interdit à la vente. Les médecins peuvent sans problème le prescrire et on peut le trouver en pharmacie, mais on n'est jamais revenu sur ce décret, on ne l'a jamais annulé officiellement. À qui profite le crime? La question peut quand même se poser. Pour autant, les choix curieux ne se sont pas arrêtés là. On aurait pu penser qu'une leçon suffisait, mais non. Alors, nous voyons apparaître, en début 2021, un médicament qui a un nom très curieux et très compliqué, le banlanivimab. Bon, moi je l'appelle le bambalaba, c'est plus simple, c'est une idée qui m'a été née par mon ami le docteur Gérard Modru, et je trouve ça beaucoup plus amusant. C'est un anticorps monoclonal, on parle beaucoup des anticorps monoclonaux dans beaucoup de maladies, ce sont des médicaments très à la mode et qui peuvent avoir une efficacité redoutable, mais ils ont aussi trop souvent des effets secondaires assez sévères. Quand il apparaît, ce bambalaba, on n'a pas d'études sur son efficacité, très peu. Évidemment, il vient d'arriver sur le marché et on n'a aucun recul sur son rapport bénéfice-risque. Il est réservé à l'hôpital, encore une fois, on ne peut pas l'utiliser précocement, on ne peut pas l'utiliser en ville, les médecins généralistes ne pourront pas vous le prescrire. Et il coûte quand même 1000 euros la dose. Et bien entendu, le laboratoire, ce qui est normal, a demandé une autorisation temporaire d'utilisation pour ce nouveau médicament à l'agence du médicament, l'agence sanitaire française.
De l'autre côté, l'ivermectine apparaît. Et effectivement, c'est le moment, fin 2020, où on voit apparaître un certain nombre d'études sur l'ivermectine et vraiment des études qui montrent une efficacité très probante sur le COVID-19. On a référencé aujourd'hui plus de 65 études favorables dans le monde entier. Tous les pays ont étudié cette molécule et avec certaines études de très haut niveau de preuve, randomisées en double aveugle, comme on dit, qui sont les études les plus puissantes. L'ivermectine est un médicament très connu, c'est un antiparasitaire qu'on donne pour traiter la gale en particulier. Il est utilisé et connu depuis des décennies, il n'a aucun effet secondaire, aucune précaution d'emploi. Les médecins de ville peuvent donc le prescrire facilement, ils le connaissent très bien, ça fait des décennies qu'il existe, il n'y a pas de risque, et donc on peut envisager sur en regardant les études qui ont été publiées, on peut considérer que ce médicament peut avoir un certain intérêt pour soigner nos malades, et évidemment, en plus, il coûte 10 euros environ, donc vous imaginez 100 fois moins cher que le Bambalaba. Nous, médecins, j'en ai fait partie, nous avons réclamé à la NSM une recommandation temporaire d'utilisation, c'est-à-dire qu'on a demandé à l'agence sanitaire et indirectement au ministère de nous autoriser et de même recommander ce médicament contre la COVID. Quel a été le choix de l'ANSM, à votre avis, face à ces deux médicaments, le Bambalaba d'un côté et le Remdesivir, l'ivermectine? Eh bien, immédiatement, très très rapidement, l'ANSM a accordé une ATU, autorisation temporaire d'utilisation, pour le Bamlanivimab, alors qu'on avait très peu d'études et pas du tout de recul sur ce médicament. Inversement, pour l'ivermectine, au bout de 2 mois et après avoir fait une action en référé au Conseil d'État, la recommandation temporaire d'utilisation a été refusée par la NSM sans raison très compréhensible puisque de très nombreux pays l'utilisent. Depuis, le Bambalaba, le Bamlanivimab, a montré qu'il était peu efficace, que sa balance bénéfice-risque était mauvaise et même la FDA, la Food and Drug Administration américaine, donc l'agence de médicaments américaine, lui a retiré son autorisation tellement il était peu intéressant. La NSM se tromperait-elle à chaque fois? Il est malheureusement, à mon sens, toujours autorisé en France et l'ivermectine n'est toujours pas reconnue alors qu'elle est utilisée officiellement dans des dizaines de pays, comme nous l'a dit d'ailleurs tout à l'heure Olivier. Elle a prouvé une réduction de 75% de la mortalité sur certaines études randomisées, une réduction de 50% de la durée des symptômes et même un effet préventif, c'est un des rares médicaments à avoir montré cet effet préventif sur des populations à risque. On a par exemple fait une étude en Argentine sur des soignants qui étaient en contact avec des patients Covid toute la journée, hein, dans les services Covid. Eh bien, dans le groupe soignant qui utilisait l'ivermectine, on a eu zéro contamination. Dans le groupe témoin qui n'utilisait pas l'ivermectine, chez ces soignants qui n'avaient pas pris ce médicament, on a eu 237 cas de contamination pour vous montrer l'intérêt de ce produit, même éventuellement en prévention, chez les cas, je dirais, à risque, hein, dans des populations très particulières, comme les soignants, par exemple, dans les services Covid. En synthèse, si on reprend un petit peu tout ce que je viens de vous dire, on constate donc que les autorités, les experts, hein, qui ont décidé de notre vie depuis 18 mois, ont donc systématiquement privilégié les médicaments les plus récents, donc les moins connus, pour lesquels on n'avait aucun recul sur le risque, sur les effets secondaires de ces médicaments et qu'on allait découvrir au fur et à mesure. Des médicaments qui ne pouvaient pas être prescrits précocement, qui ne pouvaient être utilisés que par les médecins hospitaliers. Ce qui veut dire que le médecin traitant a été totalement exclu du circuit de soins, ce qui pour moi est la pire des choses face à une épidémie, d'imaginer que tous les médecins de premier recours qui connaissent leurs malades et qui peuvent les aider, ont été exclus totalement du circuit sanitaire. Et évidemment, on a privilégié, surtout peut-être, ou aussi, les médicaments les plus chers, en rejetant en même temps, systématiquement, les médicaments les plus connus, donc les moins à risque. Je ne dis pas qu'ils sont merveilleusement, miraculeusement efficaces, je dis qu'ils sont efficaces, qu'ils ont montré une efficacité et qu'ils sont suffisamment connus et sans risque pour pouvoir être utilisés. Et malheureusement, on ne les a jamais, jamais reconnus à ce jour encore. Et pourtant, c'était aussi les moins chers. Et Dieu sait que ça aurait été probablement
intéressant pour notre système de santé d'avoir ces médicaments qui coûtaient beaucoup, beaucoup moins cher. Encore une fois, à qui profite le crime ? Face à cette situation, heureusement, des milliers de médecins ont décidé de proposer, pardon avec une faute, malgré tout, un traitement ambulatoire précoce à chaque fois qu'un malade semble en avoir besoin. Car il n'est pas question de faire de l'automédication, il n'est pas question de donner ces médicaments à tout le monde, il est question de traiter les malades, pas les gens qui ont un test positif. Vous savez qu'en plus, un test positif, c'est souvent un faux positif, donc ça ne veut rien dire. Il ne faut pas prendre ces médicaments juste parce qu'on a un test positif. Par contre, si on commence à avoir des symptômes, et surtout si on a des facteurs de risque, comme l'obésité, le diabète, l'hypertension et l'âge, bien sûr, alors les traitements doivent être appliqués très précocement. Parce que il n'y a pas de secret. Pour moi, ce qui est le plus choquant, c'est qu'on n'a rien donné aux malades. Or, entre rien et un traitement potentiellement efficace ou qui a montré une certaine efficacité et qui n'a aucun risque, le serment d'Hippocrate nous invite et je dirais même nous oblige à soigner et ne pas abandonner nos malades. Et ça, c'est probablement le principal reproche que je ferai dans la gestion de cette crise sanitaire. Ces traitements doivent être utilisés donc précocement. C'est pour ça qu'on l'appelle le TAP, traitement ambulatoire, parce que ambulatoire veut dire à la maison et précoce. Parce que c'est dans une utilisation précoce qu'il sera le plus efficace. Certaines études ont montré que ces traitements ne marchaient pas simplement parce qu'on a donné ces traitements à l'hôpital quand les malades étaient déjà très malades et que le virus avait disparu la plupart du temps. Donc, c'est le médecin traitant, le médecin de première ligne qui doit appliquer ces traitements parce qu'ils permettent de réduire la gravité de la maladie, la durée des symptômes, le nombre d'hospitalisations, donc la surcharge des hôpitaux et même et peut-être surtout la mortalité. Et encore mieux, les risques de Covid long. On commence à avoir des études qui montrent que quand les gens ont été soignés précocement, ils font beaucoup moins de Covid long. Mais le plus important, avoir un traitement comme cela, un traitement ambulatoire, prendre en charge les patients. Et je l'ai vu moi, parce que j'ai eu, comme d'autres, des malades du Covid, encore que grâce au traitement préventif, j'ai été assez peu touché dans ma clientèle. J'ai eu à peu près 70 cas. Avec ce traitement ambulatoire précoce, j'ai zéro décès, une seule hospitalisation. Ce n'est pas une statistique, c'est juste mon expérience. Mais il se trouve que je travaille sur un forum de 250 médecins partout en France qui sont des spécialistes des maladies infectieuses et qui ont utilisé ce traitement et qui ont les mêmes chiffres que moi. Et ce traitement, il a un grand, grand avantage supplémentaire. Il permet de supprimer la peur. Parce que quand on est malade et qu'on vous dit il n'y a pas de traitement, restez chez vous et priez pour ne pas vous aggraver, c'est le plus grave. Le traitement ambulatoire précoce, ça soigne les patients, ça leur permet d'être moins longtemps malades, ça leur permet d'éviter l'hospitalisation et ça leur permet d'être rassurés, de se sentir suivis, accompagnés, soutenus par le médecin. C'est ça qu'on demande et c'est pour ça qu'on réclame depuis un an et demi maintenant pratiquement qu'on reconnaisse l'intérêt des traitements ambulatoires précoces. Les médicaments qui sont le plus utilisés sont l'azithromycine, que j'ai cité, un antibiotique, qui a aussi des actions antivirales, l'hydroxychloroquine, donc, qui est connu aussi en France sous le nom de Plaquenil, qui est vraiment un traitement très intéressant, l'ivermectine, qui est donc apparu un peu plus tard et qui peut être également utilisé en prévention, mais on a aussi le zinc. Le zinc, c'est un immunostimulant qu'il faut prendre en prévention et à plus forte dose si vous êtes malade parce que c'est un très bon antiviral et c'est totalement prouvé par la science. Certains antidépresseurs comme la fluvoxamine, ça s'appelle le floxifral en France, paraissent aussi avoir un intérêt pour éviter les formes graves, en particulier chez les personnes âgées. Ça reste probablement encore à préciser. Ce sont des études françaises sur les antidépresseurs qui ont prouvé ça et en France, c'est totalement rejeté aujourd'hui. La budesonide, c'est un traitement qu'on utilise dans l'asthme et qui paraît là aussi réduire un certain nombre de symptômes graves au niveau respiratoire. Et on a d'autres traitements, en particulier les huiles essentielles, qui ont une action antivirale et antibactérienne et qui sont complémentaires des traitements que je viens de citer. Et évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, j'ai uniquement cité les principaux produits. J'aurais pu rajouter aussi la vitamine D, mais qui est surtout utilisée en prévention, mais qu'on peut donner également en cas d'infection aiguë. Dans tous les cas, parlez-en à votre médecin. Toute personne qui présente des symptômes, je dis bien des symptômes de Covid-19,
doit pouvoir bénéficier d'un traitement adapté à son cas. Il ne doit pas rester seul chez lui, il ne doit pas attendre que la maladie s'aggrave, il doit immédiatement contacter son médecin qui va lui donner un traitement adapté. Pour moi, c'est la meilleure façon et peut-être, voire probablement la seule, d'enrayer l'épidémie et de retrouver une vie normale. Je pense que le traitement ambulatoire précoce et le traitement de la maladie COVID-19 serait beaucoup plus efficace que la vaccination. Mais là encore, nous n'avons pas suffisamment d'études pour le dire puisqu'on nous a refusé toutes les études sur ce traitement ambulatoire précoce. J'espère qu'avec votre soutien, j'espère qu'avec le temps, mais dans pas longtemps, on arrivera à avancer aussi sur ce sujet. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Oui, merci beaucoup Eric pour cette présentation très claire qui va vraiment nous éclairer et qui va permettre à tout le monde de comprendre vraiment bien ce qui se passe. Il y a aussi encore une autre molécule qui est l'octophène. Je me souviens quand j'étais jeune médecin généraliste, on en donnait à tour de bras pour les bronchites. C'était un antiseptique, un antibiotique mineur sans beaucoup d'effets secondaires, un bactériostatique qui permettait de très bons résultats. Il a bien fonctionné, mais malheureusement, on a un peu mis des bâtons dans les roues dans la possibilité. Il y a aussi, c'est intéressant de voir que le Nigeria, qui a 200 millions d'habitants et qui utilise l'ivermectine parce que c'est un très bon médicament contre la cécité des marais, puisque ça agit sur les filarioses, avait, aux dernières nouvelles, sur 200 millions d'habitants, uniquement 2000 décès. Effectivement, quant à l'Inde, qui a utilisé un kit de ziverdeux avec du zinc, de l'ivermectine et de la doxycline, elle a eu aussi très, très peu de cas. Voilà. Et enfin, on voit aujourd'hui arriver tous les variants, et qui ont tendance à échapper au vaccin, et on sera très très content d'avoir ces traitements ambulatoires. Alors, la parole à tous, qui veut commenter? Louis, mets ton micro. Louis, on ne t'entend pas, tu n'as pas ton micro. Ouais, voilà. Je suis touché par ce que dit Eric à un endroit précis, qui est celui de laisser les gens à la maison avec paracétamol et bonne chance. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas correct. C'est pas partie du soin pour un soignant et un médecin. Il faut accompagner les gens. Et même s'il n'y avait pas de traitement, les suivre. On sait, au bout d'un an et demi de cette maladie, qu'il y a un moment symptomatique au départ, puis une sorte de silence, et puis ensuite le rebond inflammatoire, de l'orage inflammatoire cytokinique, qui fait toute la gravité de la maladie par son atteinte capillaire et vasculaire. Et finalement, il n'a pas été mis de parcours de soins en route correct en France, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, je vois arriver à la réanimation des gens qui arrivent directement par le SAMU, depuis chez eux, dans un état catastrophique, et chez qui pourtant on avait des symptômes 10 jours avant, et qui il y avait tous les facteurs de risque, et notamment l'obésité, l'hypertension, le diabète, et où on aurait pu faire tout plein de choses, quoi. Et déjà 3 traitements sur lesquels on est tous d'accord. L'oxygène, les anticoagulants, les corticoïdes. Ces 3 choses-là, il n'y a personne qui discute. Et pourtant, ça n'a pas été fait. Alors qu'on savait que c'était des malades à risque de s'aggraver. Et si on les avait juste suivis par une oxymétrie de pouls à la maison en regardant ce qui se passe, peut-être qu'ils ne seraient jamais arrivés à l'hôpital. Peut-être qu'ils seraient contentés d'aller dans un service classique et qu'ils ne seraient jamais allés en réanimation. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que tu as cité tout plein de traitements, effectivement, ambulatoires. Et dans l'histoire de la médecine, très souvent, c'est les patients qui ont éduqué les médecins. Et on a un exemple très récent qui est celui du VIH, où les médecins étaient complètement prolétarisés, incapables de dire quels étaient les traitements corrects, et voyaient des jeunes hommes et des jeunes gens tomber comme des mouches, sans savoir. Et finalement, c'est les patients eux-mêmes qui se sont emparés de cette maladie et qui ont poussé à la roue les médecins pour aller prescrire des choses qui étaient efficaces. Et ça a complètement changé le pronostic. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est une des missions qu'on peut, un des relais qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent, c'est d'aller voir leur médecin et leur dire, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Mais il faut savoir que cette discussion-là, elle va être difficile. Aujourd'hui, dans l'hôpital, quand on discute de vitamine D, de vitamine C, de zinc, d'ivermectine, d'hydroxychloroquine et tous les autres traitements dont tu as parlé avec les médecins des services Covid, en fait, ils veulent plus en parler. Ils sont comme traumatisés. Ils disent, on va pas parler. Par contre, ils sont d'accord pour parler de sérums de patients guéris, par exemple, des trucs complètement fous, quoi, avec potentiellement de la toxicité très importante. Ils sont d'accord pour parler du banvalivumab, mais ça, ils n'y arrivent pas. Enfin, voilà. Je ne veux pas en dire plus. Moi, je vous ai posé une question. C'est une question pour certains médecins qui écouteraient. Est-ce que certains médecins ont essayé, au niveau de la corticothérapie, donc je pense que c'est pas, on ne la donne pas au début de la maladie, mais au deuxième stade, la corticothérapie. Pardon ?
Vas-y, vas-y. La corticothérapie par nébulisation, par appareil au sol, en voie locale. Parce que c'est vraiment, c'est quelque chose qui pourrait être utilisé aussi, puisque Eric a parlé du blénosite qu'on prend par un petit appareil qu'on met dans la bouche, mais voilà, l'aérosol par nébulisation avec la corticothérapie locale. Pose la question, c'est tout. Merci. Alors moi, je n'ai pas utilisé, il y a le budesonide, donc effectivement, qui est déjà une forme de corticothérapie, locale, hein, par voie pulmonaire. Je n'ai pas vu passer d'autres choses. Maintenant, c'est sûr, hein, que, comme l'a dit Louis, qu'il y a aussi les traitements cortisone, anticoagulants et oxygène, qui sont des traitements qu'on peut faire en ambulatoire largement, mais qui ne sont pas des traitements précoces là, dans ces cas-là, des traitements ambulatoires de seconde intention. Et je pense sincèrement que si on donnait un traitement ambulatoire précoce, on aurait beaucoup moins besoin de cortisone. Moi, je vous dis, sur 70 patients, j'ai dû en prescrire deux fois. Hein. C'est tous les médecins qui ont vraiment donné un traitement ambulatoire précoce, qui l'ont vraiment donné complet et de façon précoce, ont eu de très très belles surprises. Très très belles surprises. C'est pour ça qu'on est nombreux à se battre pour ce traitement, parce que on s'est rendu compte que ça aidait vraiment nos patients. Évidemment, si malgré ça certains s'aggravent parce que ils ont des facteurs de risque, on rajoute les traitements indispensable que vient de citer Louis. Bien. Qui veut Philippe, oui, tu veux nous faire un retour ? Oui, bonsoir à tous. Excusez mon retard, mais pour nous, il faut des motifs impérieux pour se rendre en métropole. Donc, comme on est à La Réunion, c'est un petit peu plus long pour venir. Donc, ravi d'avoir entendu cette présentation d'Éric. Hein, et je confirme tout ce qui a été dit, c'est-à-dire que, par exemple, en régulation au centre 15, parce que je suis régulateur, on n'a pas d'autre alternative quand les patients sont testés Covid plus et quand ils sont symptomatiques, de leur dire restez à la maison avec du doliprane. On parlait des nébulisations de buténosine, du bunésodine. Ça demande un parcours de soins avec des kinés ou des infirmières qu'il faut qu'ils se rendent à domicile, ce qui est pas aussi simple que ça. La Sécu reconnaissant que 10% à peine des patients acceptent d'être suivis quand ils sont Covid plus et symptomatiques par des infirmières à domicile. Donc c'est un échec total sur la prise en charge précoce par rapport au Covid, et c'est vrai que je le vois dans les questions qui ont été posées, plusieurs questions de personnes qui disent « mais mon ami n'allait pas bien, on a téléphoné au 15 », ils nous ont dit de rester à domicile. 3 jours après, il était en réanimation. Voilà. Et puisqu'on est dans le traitement, il y a une question de Michel, par exemple, qui demande mais les médecins peuvent prescrire quoi officiellement ? Vitamine C, vitamine D, le zinc, l'azithromycine, l'ivermectine, hydroxychloroquine. Qu'est-ce qu'ils peuvent effectivement, AMM ou hors AMM, autorisation de mise sur le marché, prescrire pour leurs patients ? Les médecins peuvent tout prescrire, hein. Il n'y a rien qui est interdit là, mais une partie est hors AMM. Simplement, vous avez des médecins qui savent plus ce qu'ils doivent faire en fait, et qui sont perdus parce qu'ils ont les injonctions de la HAS, de l'ARS, de la Direction Générale de la Santé, de BFM, et finalement, ils ont l'impression qu'ils savent, mais ils savent pas en fait, parce qu'ils lisent pas suffisamment les études et ils sont timides à utiliser ces médicaments. Et vous avez des pharmaciens qui refusent la délivrance. J'ai eu au sein de mon hôpital un pharmacien qui a refusé la délivrance de l'ivermectine, alors je l'avais prescrit. C'est allé jusqu'au conflit en fait, en vrai, et peut-être ça ira plus loin si ça recommence en fait. Donc ça devient vraiment compliqué en fait, ça nous divise entre nous. Je crois qu'il faut vraiment se remettre autour d'une table et rediscuter de ces choses-là. Moi j'ai eu des patients qui étaient finalement des familles de patients qui étaient très en colère et extrêmement touchés et attristés du fait qu'on ait refusé des traitements aux patients qui ensuite se sont retrouvés en réa. Et j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, alors qu'il a perdu un proche, m'a dit, je me suis mis à genoux devant le médecin. Je lui ai dit, mais donnez-lui un traitement 10 jours avant. Chez quelqu'un dont c'était sûr et certain qu'il avait des facteurs de risque. Une immunodépression sévère sous traitement par rituximab qui fait finalement une lymphopathie, les lymphocytes qui ne marchent pas bien. Et ça, c'est un facteur de risque très, très sévère sur des formes graves. Et voilà, cette personne, elle se retrouve 3 semaines après à se souvenir de cet épisode-là. C'est un traumatisme inguérissable. Oui, je confirme. Un certain nombre de pharmaciens sont chargés, on demande aux pharmaciens de dénoncer les médecins qui prescrivent. C'est quelque chose qui est quand même très, très grave. Les médecins qui vont chercher, il m'est arrivé d'aller chercher l'ivermectine pour donner à un de mes patients, d'y aller moi-même, puisqu'il avait du mal à en avoir. Et on a souhaité avoir la photocopie de ma carte de médecin, ce qui ne se fait jamais. Et il y a des consignes où on demande aux pharmaciens de faire de la délation. Et beaucoup ne veulent pas, mais malheureusement, voilà, c'est pas très, très beau tout ça.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire encore un commentaire avant qu'on passe à la phase suivante? Je vais rebondir rapidement pour confirmer qu'on a le droit, parce qu'on voit passer les questions, qu'on a le droit de prescrire absolument tout. On le fait sous notre responsabilité. C'est pour ça que certains médecins ne veulent pas le faire parce qu'on est hors AMM, mais on a le droit, on est tout à fait autorisé à le faire. Les risques sont modérés, mais évidemment, ils ne sont pas nuls puisqu'on le fait sous notre responsabilité. Et effectivement, bon, quand le pharmacien ne veut pas délivrer, on peut toujours changer de pharmacien, mais c'est plus compliqué de changer de médecin quand le médecin n'ose pas prescrire. Il faut le rassurer et lui dire « si, si, vous avez le droit ». Certains médecins, malheureusement, attendent d'avoir une recommandation officielle et c'est pour ça qu'on s'est battu pour avoir cette recommandation temporaire d'utilisation de l'ivermectine, pour que tous les médecins soient rassurés et que tous se mettent à en prescrire. Certains attendent toujours cette RTU pour oser prescrire, c'est dommage, mais voilà, c'est la situation. Merci beaucoup Eric, on va continuer les présentations. Michel Maffesoli, bonjour. Donc tu t'es présenté comme étant un candide, je dirais que tu peux être un sage ou tu vas nous parler de l'Antiquité pour nous montrer que ces histoires que nous voyons aujourd'hui existent déjà depuis la Grèce antique. Allez, à toi la parole. Bon, je vous prie, je demande votre indulgence hein, parce que véritablement, j'ai beaucoup apprécié hein, avec intérêt ce que je viens d'entendre, mais ce que je vais dire, c'est que oui, vieux sage, j'en sais rien, mais en tout cas, un peu une rêverie sur la vie sociale, j'ai bien dit tout à l'heure, sur la crise qui est pour moi plus civilisationnelle qu'autre chose. Avant de parler un peu de l'Antiquité, puisque j'ai entendu tout à l'heure, depuis le début, Louis Fouché le dire, et puis c'est apparu de diverses manières, ce thème de l'Inquisition. Et c'est fréquent, si vous voulez, qu'un pouvoir établi tente à imposer la vérité. Et c'est toujours dangereux, la vérité, en tant que telle, si vous voulez. Et c'est ce qui est au fondement même, dans le fond, des processus d'inquisition que l'on voit régulièrement revenir dans les histoires humaines. Et c'est amusant, façon de parler, d'observer que quand il y a cette inquisition, il y a toujours de la délation, qui est corollaire, en quelque sorte, de ce processus, encore une fois, d'imposition de la vérité par en haut. Quand Aristote pose les fondements de la philosophie, contre justement l'opinion prévalente, l'opinion commune, il dit « ce qui est important, c'est de savoir poser des questions ». Il dit en grec « kalos apoieresai », poser bellement des questions. Et je trouve que c'est ce qu'il est important, ce sur quoi il est important d'insister là actuellement. Moi d'ailleurs, c'est ce que j'ai essayé de dire. « Ce qui est important, c'est de savoir poser des questions ». Je dis en grec, kalos apoieresai. C'est bellement dit. Oui, et je, pour ma part, j'essaie d'insister toujours là-dessus, plutôt que de croire sottement et dangereusement à la vérité. Il faut se rendre compte que, en particulier dans les moments tels que nous les vivons actuellement, qui sont des moments de mutation, ben, il y a des vérités. Hein. Un bon philosophe s'inspirant d'Heidegger disait, c'est une expression comme cela, un peu pédante, mais je la trouve intéressante, il disait « constellation aléthéologique », hein, c'est-à-dire, dans le fond, un ensemble de vérités qui se relativisent les unes par rapport aux autres. Et je pense qu'actuellement, c'est important qu'il y ait cette idée de savoir poser des questions, premièrement, et deuxièmement, d'avoir des contrebalancements, en quelque sorte. Hein. Ce n'est pas simplement du relativisme, c'est la mise en relation des vérités plurielles. Voilà, par rapport à la censure, là, il y a un vrai problème, là, il y a un vrai combat, et qui n'est pas prêt, malheureusement, de cesser. Alors, pour ce que je pouvais dire, moi, par rapport au débat qui est le vôtre, c'est ce que j'ai appelé il y a fort longtemps, c'était lors de ma thèse d'état en 1978, le totalitarisme doux. Alors peut-être que le mot doux d'ailleurs est à nuancer et à relativiser, mais j'essayais de montrer que dans le fond, le pouvoir vertical avait toujours une attitude d'infantilisation. Et pour illustrer cela, j'ai pris, et tu l'as rappelé il y a un instant, un mythe qui est pour moi important, intéressant, c'est celui de la fondation de Thèbes par dans le mythe Cadmos, peu importe, une figure mythique sinon légendaire. Mais c'est intéressant parce que c'est la première cité qui est fondée, Thèbes.
Et Cadmos va céder la place, il a deux petits-fils, un qui est exclu, c'est Dionysos, et celui à qui il va donner le pouvoir, c'est Penté. C'est Pentéos, hein, c'est-à-dire, encore une fois, celui qui croit à tous les dieux, et qui va, en quelque sorte, je dirais, c'est le technocrate du moment, le bureaucrate, qui va rationaliser l'ensemble de la cité. Il va, si je le dis dans les termes que j'avais à l'époque employés, aseptiser à outrance, hygiéniser l'ensemble de la vie sociale. Et ce qui est curieux, enfin ce qui n'est pas curieux, ce qui est la conséquence logique de cela, c'est-à-dire quelque chose, l'effet pervers de cette hygiénisation, hein, de cette asepsie de la vie sociale, c'est que dans le fond, il y a un délitement du lien social. La formule que j'ai employée pour rendre compte de cela, c'est que cette cité avait racheté le fait de ne plus mourir de faim par celui de mourir d'ennui. Et dans le fond, il y a quelque chose qui fait que c'est l'ennui global qui va être la caractéristique de Thèbes. Et c'est à ce moment-là que les femmes conduites par Agave, qui est là, curieusement la mère de Penté, vont chercher le second petit-fils, c'est Dionysos. Dionysos est un métèque. Il est de l'autre côté de la Méditerranée, en Thalaïa actuellement. C'est un dieu qui est tonien, attaché à la terre. Et c'est un dieu qui est un ambigu sexuel, à la fois androgyne et en même temps grand gaillard barbu. Donc c'est les fameuses bacchanales, elles introduisent Dionysos dans la cité. Et à partir de ce moment-là, il y a un meurtre, le sang coule à minima, c'est-à-dire en la matière, le technocrate est tué, Penté est tué. Et du coup, la cité retrouve son âme. Et voilà un peu, moi, la petite histoire qu'il est important d'avoir à l'esprit, c'est-à-dire, c'est ce qui se joue actuellement dans... Moi, je ne dis pas pandémie, je dis psychopandémie contemporaine, hein, c'est-à-dire une hystérie un peu collective qui touche pas simplement d'ailleurs les dirigeants, mais qui se répand un peu partout, bien, c'est que, d'une certaine manière, ça contrevient à la sagesse populaire. La sagesse populaire le sait, je dirais, de ce que j'appelle, moi, de savoir incorporer, c'est-à-dire d'une manière qui vient de fort loin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ni dénier la finitude, maladie, mort, autre perspective. Je dis bien, je préfère dire la finitude, qui est une des caractéristiques de ce qui nous concerne, mais au contraire, qu'il convient de faire avec cette finitude. Quand je dis faire avec, homéopathiser, ritualiser, et on a dans la tradition religieuse, par exemple, des moments où on montre bien, dans le culte marial en particulier, comment, en quelque sorte, plutôt que de la dénégation, il y a, encore une fois, le fait de s'accommoder à cette finitude. Et de mon point de vue, c'est ce qui manque actuellement. Et du coup, très précisément, par ce pouvoir surplombant, par cette verticalité de celui qui veut faire le bien à la place des autres. Et que dans le fond, c'est cela le vrai danger, de mon point de vue, à tous les niveaux, c'est quand on veut, j'ai dit surplombant, d'une manière extérieure en tout cas, et c'est ça l'infantilisation, dire ce qu'est le bien et ce qui est bon pour toi, en quelque sorte. Et voilà ce qui, moi, me paraît la chose la plus dangereuse. Ayant cela à l'esprit, pour rappeler que, et je pense que c'est une mise en perspective, un recul pour penser sereinement ce qui est en jeu actuellement, c'est que, et là ce serait ici mon dada, moi, c'est-à-dire montrer qu'au-delà du linéarisme, il y a des époques, et que nous assistons à la fin d'une époque, pour moi l'époque moderne. L'époque moderne reposait effectivement sur cette idée qu'on pouvait dépasser, c'est le grand concept hegelien de l'aufhebung, dépasser le dysfonctionnement, dépasser la maladie, voire dans la tradition transhumaniste, dépasser la mort. Et cette idée de dépassement est le mot essentiel pour bien comprendre, en quelque sorte, de mon point de vue, ce qui est fini, c'est-à-dire la grande valeur moderne, ou d'une manière prétentieuse, j'allais dire une manière paranoïaque, c'est-à-dire dans le fait qu'on pense par en haut, ce que j'ai dit tout à l'heure, la paranoïa, c'est celui qui pense par en haut, et d'une manière paranoïaque, eh bien, on va en quelque sorte dépasser tous ces éléments de la finitude. Non, encore une fois, je reviens à cette sagesse, il faut savoir faire avec, en rappelant la chose suivante, que chaque fois, quand on regarde sur les histoires humaines, chaque fois qu'il y a la fin d'une époque, hein, j'ai dit fin d'une époque, pour moi c'est la fin de l'époque moderne qui est en gestation, il y a curieusement
Et je dirais, ce que je vais dire est un peu mystérieux, même pour moi-même. Mais il y a curieusement une épidémie qui naît. La décadence romaine, c'est la peste antonine. La fin du Moyen-Âge, bien sûr, c'est connu, c'est la peste noire. Ce qu'est la réforme protestante, à partir de cette réforme commence le monde moderne, le monde capitaliste, il y a cette grande épidémie de typhus, voyez. Et donc, du coup, il faut avoir cela à l'esprit pour relativiser, justement, ce que j'appelle, moi, psychopandémie. Hein, c'est-à-dire, reconnaître qu'au travers d'une maladie, eh bien, il y a un côté apocalyptique. Et c'est actuellement, il y a de l'apocalypse dans l'air. Mais là encore, pour revenir aux étymologies, l'apocalypse, en grec, ça veut dire la révélation. Et en gros, voilà, c'est pour ça que je dis personnellement crise civilisationnelle plus que crise sanitaire, il y a la révélation d'un monde qui est en gestation. Et là, c'est un autre débat, c'est pas celui que je peux ici tenir avec vous ce soir, mais qui fait qu'il y a d'autres types de valeurs qui sont en gestation et que c'est cela, le monde à venir. En bref, et je termine là-dessus, les moments où il y a une vérité, ce qui est la grande caractéristique de la modernité, c'est une conception, dans le fond, je fais une distinction entre deux mots que l'on utilise très souvent l'un pour l'autre, c'est une conception dramatique. Drao, dramein. Le drame trouve une solution, une résolution. Et dans le fond, c'est un peu ce qui est en jeu dans le pouvoir surplombant. On va trouver une solution, on va trouver une résolution. Alors qu'à certains moments, et je pense que nous sommes dans la postmodernité, puisque un de mes dadas, c'est de réfléchir sur la postmodernité, hein, c'est-à-dire ce qui est en gestation après la modernité, il y a le retour du tragique. Et dans le fond, pour moi, cette crise civilisationnelle, crise sanitaire, crise civilisationnelle, c'est le retour du tragique. Le tragique, il est aporique, hein, aporeine, il n'a pas de solution. Il faut faire avec. Et cela renvoie à ce que je disais tout à l'heure, cette espèce de sagesse populaire qui sait qu'il faut faire avec quelque chose qui est là, non pas le dépasser dans une solution, une résolution, mais s'en accorder, s'ajuster, je dirais même homéopathiser, en quelque sorte, cette finitude pour essayer de la vivre le moins mal possible. Voilà, je ne sais pas si ce que je viens de vous dire peut vous aider. Merci beaucoup, Michel, c'est très intéressant. Et puis, je préviens juste les auditeurs que la semaine prochaine, on va poursuivre ce dialogue en fait, avec Michel ailleurs, dans un endroit qui s'appelle Prenez Place, une chaîne YouTube qui s'appelle Prenez Place, qui a parlé de la monnaie. Et on parlera un peu de qu'est-ce qui vient, quoi. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Jean-Dominique a sûrement envie de réagir à tout ce que tu as dit. Moi, il y a quelque chose dont tu as parlé qui est l'histoire de la souveraineté quelque part. Il n'y a pas de raison que quelqu'un d'autre décide à ma place. Il n'y a pas de raison qu'un pouvoir, et on l'a dit la dernière fois, hein, chaque fois que les médecins ont commencé à décider pour le peuple et se sont rapprochés du pouvoir, ça n'a pas été des très bonnes époques. Puis-je là-dessus dire justement deux mots qui me sont chers, je dois avouer, puisque c'est peut-être la seule idée qui restera de tout mon travail. La distinction que j'avais posée tout au début de ma carrière entre le pouvoir et la puissance. On confond très souvent l'un et l'autre. Alors que le pouvoir a toujours cette dimension verticale. Encore une fois, c'est chez nous le jacobinisme, ça vient de fort loin, hein, d'une certaine manière. Mais encore une fois, quelque chose qui est institué. La puissance vient du bas. Et là, de ce point de vue, je dois avouer que mon idée, c'est qu'il faut revenir à cette puissance populaire. Hein, et qu'à certains moments, il n'y a pas d'accord entre le pouvoir et la puissance. Nous sommes dans un de ces moments où le pouvoir impose ses solutions, sa vérité, alors que la puissance venue du bas, celle d'ailleurs aussi des médecins en vous écoutant, hein, bien ça c'est une puissance, tu comprends Louis, venue du bas. Quand je dis venue du bas, c'est-à-dire en quelque sorte qui sort du corps social lui-même et qui n'est pas imposée par en haut. Oui, tu as dit aussi quelque chose de tout à fait passionnant par rapport à cette notion de vie ou de mort, accepter ce qui vient. On a un petit peu dans cette idée de toute puissance humaine, arrêter d'imaginer que la vie faisait partie de la mort, que la mort fait partie de la vie. Goethe disait Dieu a créé la mort pour qu'il y ait plus de vie, et puis on n'a pas compris que ces virus, finalement, c'est nous qui déséquilibrons la nature pour faire arriver ces virus qui sont autant d'épreuves, et plutôt que de comprendre le sens de l'épreuve,
de ruser avec, de jouer avec intelligemment en utilisant des traitements simples, et puis on essaye de les attaquer avec de la mitrailleuse lourde, et puis on les attaque, puis on les excite, puis on les déchaîne, et on risque là de perdre toute forme de philosophie. Peut-être tout ça à cause de cette peur paranoïaque qui agit et qui gère c'est les gens qui nous gouvernent beaucoup aujourd'hui. Jean-Dominique, est-ce que tu veux nous faire un mot de transition avant que Michel ne parle ? Très volontiers, mais en relançant Michel Massézoli, puisqu'on a la joie et l'honneur de l'avoir avec nous, il y a une question qui me brûle les lèvres. C'est que dans tout ce qu'on a évoqué ici, effectivement, un fin observateur me faisait remarquer qu'un comité citoyen aurait sans aucun doute pris de bien meilleures décisions que le conseil scientifique, si on lui avait donné tous les éléments en main pour déterminer une politique. Et donc, on est aujourd'hui dans cette situation extraordinaire. On a d'un côté un pôle scientifique ou scientiste extrêmement affirmé, mais qui a des positions extrêmement dogmatiques, extrêmement religieuses, extrêmement superstitieuses à bien des égards, mais qui se réclame de la rationalité, et avec des contresens absolument somptueux comme ceux que Eric a présentés tout à l'heure. Je veux dire, un médicament qui n'est pas toxique et qui semble marcher, on dit que c'est pas scientifique de le donner, mais un truc sur lequel on n'a aucune visibilité, aucune garantie, bah ça c'est rationnel et scientifique. Ou bien on a vu quand Raoult a commencé à parler des mutants, des médecins, des virologues, des infectiologues venir raconter que des virus ARN ça ne mute pas. Donc c'est un peu comme si un garagiste se mettait à raconter qu'une roue c'est pas fait pour rouler, et d'ailleurs il n'y a aucune chance qu'une roue roule, ou que si quelqu'un prend la route, il a une chance sur 10 de mourir, comme on l'a prétendu avec l'hydroxychloroquine. Donc on a eu un pôle qui au fond était absurde, voire délirant, mais dans un discours qui captait l'autorité rationnelle, ce qui évidemment est un contresens absolument majeur et qui pour moi inclut une finitude de cette logique-là, c'est-à-dire qu'elle va forcément se déliter tôt ou tard. Donc dans la résolution mythanalytique de cette ambivalence, comment est-ce que tu pressens que ça lâche à un moment donné ? On est dans un moment où le rationalisme, et là je reprends une idée de l'école de Francfort, est à un certain moment devenu instrumental. Et quand le rationalisme est instrumental, il devient morbide. Rationalisme morbide, hein, c'est-à-dire en quelque sorte d'une manière abstraite, totalement déconnectée de la réalité, au nom, ce que j'appelais tout à l'heure la vérité, on veut imposer un certain nombre de choses. C'est la stratégie de la peur qui est une des manifestations de cela. Moi, personnellement, j'ai toujours rendu attentif au fait qu'il fallait maintenir la rationalité, la raison, pas le rationalisme. Et j'ai même proposé de parler d'une raison sensible, c'est-à-dire une raison qui, en même temps, est totalement incarnée, qui est justement liée à cette sagesse populaire, à ce que j'appelle le savoir incorporé. Et actuellement, ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'il y a encore une fois la pesanteur de ce pouvoir établi, qui utilise le mot science d'une manière extraordinaire, une incantation, le mot science ou scientifique. Moi, quand je lis science, je barre science et je mets astrologie, par exemple. Et amusez-vous à faire cela, c'est la même fonction que qu'avaient les pouvoirs utiliser l'astrologie à la Renaissance ou au Moyen-Âge actuellement. Et actuellement, c'est le mot science qui ne veut rien dire. Moi, je me méfie, genre, personnellement, je ne suis pas scientifique, hein. Je suis un rêveur social, mais pas scientifique. Mais me fait peur, encore une fois, cette utilisation de la science qui est un problème très précisément de cléricature. Alors, au Moyen-Âge, la cléricature, c'était très clair. C'était la peur de l'enfer qui faisait qu'il fallait marcher droit. Actuellement, c'est censément une peur d'une maladie qui fait qu'il faut que l'on marche droit, en quelque sorte. Voilà. Voilà. Alors, cela dit, je te renvoie à un de mes livres qui va paraître dans 3 ou 4 jours, il y a peu, que j'appelle « L'ère des soulèvements ». Et dans « L'ère des soulèvements », je montre, peut-être que je me trompe totalement d'ailleurs, hein, c'est pas impossible, enfin je montre qu'il va y avoir une série d'insurrections, une série de soulèvements contre justement l'imposition de ce rationalisme morbide. Parce que tout simplement, là encore je reviens sur un de mes dadas, moi je crois que la sagesse populaire à certains moments ne supporte plus le pouvoir établi, ne supporte plus l'infantilisation, etc. Voilà. Mais on verra bien, comme on dit chez moi, bien, en patois, Beyrasbé. On verra bien ce qu'il en est. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Je propose que nous passions la parole à
l'autre Michel, Michel Le. Michel Rivasi, bonjour. Tu nous représentes magnifiquement au Parlement européen. Tu nous avais déjà donné certaines vidéos où tu nous racontais tes péripéties pour avoir ces fameux contrats où on te mettait dans une pièce où tu n'avais pas le droit de prendre de notes ni de photographier et tu devais tout apprendre, des centaines de pages de contrats par cœur. En gros, on ne voulait pas que tu délignes quoi. Dis-nous où tu en es. Oui. Ben écoutez, je vais vous raconter l'histoire de la saga des contrats et ce n'est pas fini. Alors, j'avais proposé un PowerPoint, j'espère que vous allez pouvoir le passer, où je vous indiquais, alors grosso modo, quand l'OMS a indiqué que c'était une pandémie, l'Europe a voulu jouer collectif, c'est-à-dire que l'Europe s'est dit « on va faire des achats groupés pour qu'on joue la solidarité entre les États membres ». Et notamment qu'on ne fasse pas la différence entre les pays riches qui vont acheter les vaccins et des pays qui sont moins riches et qui ne pourront pas acheter des vaccins. Et en plus, ça empêchera, je dirais, la jungle qu'on pouvait avoir, qu'on avait vu au niveau des masques, au niveau de certains dispositifs médicaux. La deuxième idée, c'était qu'ils voulaient avoir un portefeuille de vaccins. Et là, si vous pouvez passer le prochain slide, il y a eu plusieurs laboratoires qui ont été contactés et vous voyez que sur le prochain, normalement, il y a tous les contrats qui ont été donnés et notamment le premier, c'est le contrat AstraZeneca. Alors là, je ne le vois pas. Si, voilà. Et notamment le 28 août 2020. C'est intéressant le 28 août 2020 parce que l'Europe a signé avec AstraZeneca et l'Angleterre avait signé le 29 août. Alors, ça vous explique pourquoi il y a eu la guéguerre entre l'Europe et l'Angleterre. Donc, vous voyez, grosso modo, donc, il y a eu 6 contrats, AstraZeneca, Sanofi en septembre, Johnson & Johnson, Pfizer, BioNTech, CureVac et Moderna. Moderna, c'était le 4 décembre. Et vous voyez que ça a été des commandes, on appelle ça des contrats d'achat anticipés pour 300 millions de doses pour AstraZeneca, Sanofi 300 millions de doses alors que ils ont toujours pas de vaccin et puis ils ont fait le choix de Johnson & Johnson et Pfizer et CureVac, vous voyez que c'était un peu moins de doses parce que ils avaient pas une confiance absolue au niveau des ARN messagers. Mais grosso modo, c'était le portefeuille. Et puis là, je vous ai indiqué les prochains contrats qu'on a signé et on a choisi ARN messager. Donc, on a choisi Pfizer pour 200 millions de nouvelles doses. Donc, ça fera un total de 600 millions de doses quand même pour Pfizer et on a un total de 460 millions de doses pour Moderna. Et alors, prochain slide, vous avez la chronologie des demandes de transparence du Parlement européen. Parce qu'on nous a fait voter à peu près, vous verrez, 2,1 milliards d'euros pour faire ces préachats et on a auditionné grosso modo tous les directeurs des laboratoires. Et très vite, on s'est aperçu que les labos ne voulaient pas nous donner les contrats. Donc, le 9 novembre, j'ai fait une demande officielle pour avoir accès à ces contrats en disant « on donne de l'argent public, il n'y a pas de raison que ces contrats soient opaques ». Et la commission, notamment de la commissaire de la santé, Stella Kyriakides, nous a indiqué on fera le possible pour les avoir, mais c'est les laboratoires qui bloquent. Et la direction générale de la santé, elle s'appelle Sandra Gallina, nous a indiqué qu'après, ce n'était pas possible parce qu'il y avait ce fameux secret d'affaires et que comme on est dans le cadre des négociations, on ne peut pas donner accès au laboratoire parce qu'on ne négocie pas de la même façon d'un laboratoire à l'autre. Donc, le 20 janvier, vous voyez, 2020, eh bien, avec 5 députés verts, on a fait une demande officielle parce que, si vous voulez, on nous a commencé à nous distiller certains contrats, dont le contrat CureVac. Alors, nous, ça ne nous intéressait pas tellement ce contrat puisque il n'avait pas été acté et il n'y a toujours pas d'autorisation de mise sur le marché. Mais
pour avoir accès à ce contrat, il faut aller dans une salle dédiée où vous n'avez pas le droit de prendre des photos, vous avez juste un papier et un crayon et vous n'avez que 45 minutes pour voir un contrat qui est à peu près une centaine de pages. Donc, c'est mission impossible. Et vous ne pouvez même pas amener un expert juridique avec vous. Donc, c'est juste pour vous donner ce contrat et toutes les clauses qui nous intéressaient. Eh bien, c'était complètement biffé et raturé. Donc, tout ce qui était le prix, tout ce qui était combien l'Europe avait donné à ce labo, les conditions de sanction ou pas, s'il ne livrait pas, ben, on ne sait rien là-dessus et de la responsabilité. Donc, en plus, moi, je fais partie de la commission contrôle budgétaire et donc j'ai saisi la commission pour dire qu'il est anormal qu'en tant que député européen chargé du contrôle de l'exécutif, on n'a pas accès aux sommes qui sont données à chaque labo. Donc, j'ai fait le forcing et puis vous apercevez après, sur la chronologie des publications des contrats, que à chaque fois qu'on intervient, à chaque fois qu'en plénière, on interpelle à la fois la commission, à la fois la DG, la Direction générale de la santé, alors ils nous délivrent les contrats au compte-gouttes. Alors, on a eu le contrat expurgé d'AstraZeneca, vous voyez, le 29 janvier. Après, on a eu le contrat expurgé de Sanofi, et puis Pfizer et Moderna. Et il a fallu que ça soit des journalistes italiens qui, par je ne sais pas quel hasard, mais ont sorti vraiment le 17 avril, donc vous voyez, il y a quelques jours, ils ont publié les contrats entiers de Pfizer et Moderna. Et moi, j'ai fait en parallèle, j'ai saisi la commission contrôle budgétaire pour qu'ils nous fournissent ces documents. Et ils ont donc jusqu'au 30 avril pour le faire officiellement. Alors ensuite, quand on a vu les trois contrats qui ont été publiés, mais de façon illicite par des journalistes, on s'est aperçu que sur la responsabilité juridique, eh bien, que si jamais vous avez un effet secondaire, eh bien, ce n'est pas les laboratoires qui vont payer, ce sont les États membres qui vont commander et qui ont commandé les vaccins. Donc, c'est en fait, ces contrats organisent l'impunité financière et légale du fabricant. Et la société pharmaceutique ne sera responsable qu'en cas de faute intentionnelle ou de violation avérée des bonnes pratiques de fabrication. Ce qui veut dire que si elle fait un produit défectueux, c'est elle qui emportera la responsabilité, mais que si jamais il y a un effet secondaire grave, eh bien ce sont les États membres qui vont payer, et en plus, si jamais d'un point de vue juridique, le fabricant va être attaqué, eh bien les États ou la Commission va payer le processus juridique pour les laboratoires pharmaceutiques, ce qui est incroyable. Donc, il y a eu, on a fait faire, enfin c'est une association, Notre Bon Droit, qui est une association belge, qui a fait faire une étude sur les clauses de responsabilité juridique. Et en fait, elle montre que cette étude, à la lumière du droit belge, parce qu'en fait, c'est le droit belge qui s'applique pour tous les contrats, qui, en parenthèse, ont été faits par 6 négociateurs dont on ne connaît toujours pas les noms. Eh bien, ces clauses relatives à l'exonération de responsabilité au sens large des fabricants de vaccins prévus dans les contrats avec les sociétés pharmaceutiques, eh bien, elles estiment qu'elles sont illicites. Pourquoi ? Parce qu'elles ne garantissent aucune responsabilité quant à l'efficacité et à l'absence d'effets indésirables graves. Et donc ça, c'est quand même très grave, enfin, c'est incroyable. Et justement, ces associations veulent attaquer en justice à la fois la Commission par rapport à ces contrats. Alors, ça explique pourquoi aussi la Commission ne voulait pas que ces contrats soient publics. Alors, on peut se poser la question, quelles sommes ont été versées au laboratoire ? Alors, ça, c'est toujours des bruits de couloir. Mais comme on a les trois contrats qui ont été publiés de façon, je vous dis, illicite également,
Mais on ne sait toujours pas sur les 2,9 milliards que l'Europe et les États membres ont donné aux labos, combien ont été attribués à chaque labo. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent ? Parce que normalement, il est dit que dans les contrats d'achat anticipé, une partie des investissements, c'est pour augmenter la production des vaccins. Mais on n'a aucune lisibilité. On ne sait pas si ça a servi pour la recherche et développement. On ne sait pas si ça a servi pour équiper des usines pour fabriquer carrément le vaccin ou pour du détournement d'argent. En fait, on ne sait absolument pas la traçabilité de cet argent. Donc, alors concrètement, les sommes versées à chaque labo, mais je voudrais vous les donner parce que c'est quand même assez considérable. Pour Pfizer BioNTech, donc 600 millions de doses ont été commandées. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que le prix du vaccin change en fonction du contrat. Vous voyez que les premiers contrats, le prix du vaccin, c'est 12 euros. Et les derniers contrats qui ont été signés il y a quelques jours, eh bien, c'est passé à 19,5 euros. Et ça, on l'a su parce que c'est un premier ministre bulgare qui nous l'a indiqué. Donc, en fait, tout le pouvoir, qu'il soit chez Pfizer, qu'il soit chez Moderna, Moderna, c'est là où le prix du vaccin est le plus cher. Hein. Ça passe de 18 dollars la dose à 22 dollars la dose pour les perdu Michel à un moment passionnant. Absolument clé. Est-ce que Michel va nous revenir ? Ah oui, on espère, parce que là, elle nous laisse dans le suspense. Elle nous a dit qu'elle ne savait pas à quoi servait tout cet argent. On a bien une idée à la fin des dividendes aux actionnaires qui peuvent être versés. Elle nous a dit que qui allait payer les effets secondaires, c'était les États. Ça reste confondant. Elle nous laisse au milieu d'un suspense énorme et elle est là, elle va revenir. Elle va revenir, on l'attend avec impatience. Michel. Voilà, Michel, tu es là. Est-ce que vous m'entendez ? Vas-y, continue. Tu nous as laissé un moment spécial. Alors, j'en étais à AstraZeneca parce qu'il a dit qu'il vendait ses vaccins au prix coûtant. Donc, c'est à peu près 2,9 euros la dose. Mais comme ils n'ont pas livré les doses comme il avait indiqué, notamment, ils devaient livrer 300 millions de doses. En fait, ils n'en ont délivré que 70 millions de doses. Et j'ai appris aujourd'hui même, donc c'est tout récent comme info, que la Commission veut les attaquer en justice. Mais les États, et notamment la France et l'Allemagne, ne sont pas d'accord pour attaquer en justice. Et je pense que c'est que la Commission européenne qui va attaquer en justice parce qu'ils ont été très déçus par l'attitude d'AstraZeneca qui a plutôt voulu livrer les vaccins à l'Angleterre plutôt que de les livrer à l'Europe. Et à l'heure actuelle, donc, les nouveaux contrats, eh bien, c'est avec Pfizer. Alors là, les États membres ne sont pas très contents parce qu'ils disent qu'on met tous les œufs dans le même panier, parce que Pfizer va redonner des doses, mais surtout, c'est eux qui vont, grâce à une nouvelle agence européenne qui va être créée, qui s'appelle ERA, fabriquera les variants. Et les États ont critiqué la Commission en disant que, voyez, on choisit que Pfizer et que ça risque de poser problème. Voilà, et donc, ça vous indique aussi. Voilà, Michel est de nouveau reparti. Dans les couloirs du temps. Voilà, te revoilà. Voilà, ça y est, je suis revenu. Voilà, on prend la parole. Mais je termine, j'en étais à la conclusion. Alors, pour vous dire, au niveau des 5 députés verts, on a saisi la commission pour avoir accès aux documents. La commission avait un mois pour répondre. Elle nous répond, on renvoie encore à la commission et là, maintenant, le délai est passé et on va attaquer en justice
à la Cour de justice européenne pour non-divulgation des documents. Donc ça, on a jusqu'au 10 juillet 2021, mais le groupe Vert est OK pour attaquer à la Cour de justice européenne. Et la deuxième chose, c'est que comme j'ai saisi la commission contrôle budgétaire, là aussi, la conférence des présidents du Parlement décidera comment défendre les pouvoirs du Parlement européen face à la Commission et au laboratoire. Donc, quand je vous parlais de saga des contrats, je trouve, moi, personnellement, que avoir donné autant d'argent public au laboratoire, avoir fait des contrats avec des négociateurs dont on ne connaît pas les noms, ça a été très mal négocié puisque c'est tout le pouvoir, il est au niveau des laboratoires pharmaceutiques. Et qu'on ne donne pas les contrats, on ne sait pas, vous voyez, comment sont dispatchés l'argent, quelle est la traçabilité de cet argent public, je trouve ça inadmissible. Alors, vous connaissez mon caractère, je saisis la Cour de justice européenne. Pour nous, à l'heure actuelle, la seule alternative qu'on a, ce n'est pas les États membres, parce qu'ils sont complices des laboratoires, il n'y a que la justice qui peut nous donner quelque chose pour avoir accès à ces documents. Je l'avais fait l'année dernière concernant le glyphosate. On était aussi 4 députés à avoir saisi la Cour de justice européenne. La commission avait dit que le glyphosate n'est pas cancérogène. Je leur avais dit « Ok, fournissez-moi les études pour dire qu'il n'est pas cancérogène. » Et ils nous avaient répondu que c'était secret d'affaires. Pareil, eh bien, la justice nous a donné gain de cause et à l'heure actuelle, on peut avoir toutes les études à partir du moment où c'est un problème qui touche à la santé et à l'environnement et que c'est de l'intérêt général. Donc, voilà où on en est, on ne lâche pas. Voilà. Le message, c'est qu'on ne lâche pas et on continue à se bagarrer parce qu'on trouve ça inadmissible. Sur l'aspect démocratie, sur l'aspect de l'argent public qui est donné de façon incroyable. Et puis, la semaine prochaine, alors, c'est le certificat vert où on veut harmoniser pour la libre circulation au niveau des frontières, sachant qu'on n'a aucune preuve scientifique que si on est vacciné, si on a eu le Covid ou si on a des tests, on ne transmet pas le virus. Eh bien, on a beau dire ça, eh bien, le lobby du tourisme, le lobby de certains pays qui veut développer leur économie, eh bien, disent, on va mettre un certificat vert, donc on a une garantie de sécurité. Oui. Ah, bon, Michel est encore reparti. Bon, étant donné qu'on est à la fin de sa présentation, elle va probablement nous revenir d'ici quelques instants. Je vous propose de réagir tous sur cette magnifique présentation. Et on la remercie énormément de tout ce travail. Il y a peu de députés. Voilà, je suis revenu. Ah, bah voilà, vas-y. Voilà. Et pour vous dire que ça va être voté la semaine prochaine. Et donc, on aura un certificat vert qui va intégrer la vaccination, est-ce que vous êtes vacciné ou pas, qui va intégrer le fait, est-ce que vous avez eu le Covid ou pas, ou est-ce que vous avez un test négatif de 36 heures. Voilà. Voilà où on en est sur le plan européen. Merci beaucoup, Michel, pour ton travail. Voilà, je vous laisse réagir les uns les autres. Rapidement, nous passerons après la présentation de Vincent, puisque le temps passe. Je crois que la présentation de Michel va dessiller quelques personnes sur ce qu'est aujourd'hui la Commission européenne et comment elle gère ses contrats, et que ça nécessite d'y mettre le pied. Souvent, les Français sont un peu timides à aller voir ce qui se passe au niveau de l'Europe. Alors, il y a des choses qui décident absolument de notre destin, et de notre destin sanitaire collectif et de notre destin financier collectif. Donc, je crois que c'est très précieux d'avoir des gens comme Michel qui vont mettre le nez dans les dossiers et qui vont essayer de comprendre ce qui se passe. Oui, merci. Merci beaucoup, Michel. Tu ne veux pas lâcher. D'ailleurs, c'est ce que dit Christiane. Madame Rivasi, j'ai confiance en vous. Ne lâchez pas.
Et ça me rappelle les conférences de presse qu'on avait faites tous les deux. C'était en juin 2014 à propos d'un vaccin et le retour d'informations sur les effets indésirables. Et on parlait déjà de l'opacité de l'Europe à ce niveau-là. Et puis sur le secret médical, c'est en septembre 2016 à la représentation du Parlement européen à Paris. Et déjà, le passeport vert, le passeport sanitaire, certificat vert, était déjà en route. Et c'est là où on voit que de toute façon, les gouvernants n'ont pas attendu cette crise pour proposer des choses absolument inadmissibles. Ils ont profité de cette crise pour faire passer ça en toute vitesse. Oui, c'est sûr que tout à l'heure, j'ai parlé de l'ANSM et des problèmes des choix de cette agence de santé française parce que je voulais rester dans le cadre de la France. Mais nous avons exactement la même problématique avec l'agence du médicament européen qu'on appelle l'EMA. Je vous rappelle, pour prendre un seul exemple, qu'elle a commandé pour 500 millions d'euros de Remdesivir à peu près au même moment où l'OMS reconnaissait que ce médicament ne servait à rien. On peut se poser des questions quand même sur les choix également de l'Agence européenne du médicament qui a validé des choses de façon assez curieuse, on va dire. C'est très intéressant de voir que sa présidente, Emma Ross, a été l'ancienne patronne des lobbyistes de l'industrie pharmaceutique à Bruxelles. Donc, c'est un peu logique. Hein. Enfin, elle fait son travail. La question, c'est quel est son travail? Est-ce que c'est les gens qui la payent qui l'ont mis là ou est-ce que c'est pour l'intérêt public? C'est toute la question. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui nous gouvernent agissent pour l'intérêt public ou l'intérêt privé? Alors, qu'est-ce qui veut réagir encore avant que l'on passe à l'intervention de Vincent? Jean-Dominique, vas-y. Oui, très brièvement. Merci, Michel, pour cette présentation. Moi, j'avais parlé de la corruption systémique la semaine passée, et notamment en citant un rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen de 2014, où ils disent littéralement le secteur de la santé est un secteur dans lequel la vulnérabilité à la corruption est généralisée. Les commissions occultes et la corruption demeure préoccupant dans les marchés publics. Donc, c'est extraordinaire parce que d'un côté, il y a le diagnostic et puis il y a la récidive qui suit droit derrière. Quel est le feeling au niveau des parlementaires européens par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un début de conscience ou bien est-ce qu'ils sont juste complètement azimutés? Michel, est-ce que tu nous entends? Oui. Michel, c'est à toi la parole. Michel, est-ce que tu as entendu la question de Jean-Dominique? Non, apparemment non. Apparemment non. Bien. Écoutez, moi, je vous propose, Jean-Dominique, tu poseras tes questions après. Je vous propose à Vincent de continuer. Vincent, tu veux faire ta présentation? Je te laisse la parole. Tu vas nous parler des conséquences du masque, des conséquences sur les enfants dans une présentation très intéressante. À toi la parole, Vincent. Oui, merci. Alors, donc, juste deux. Oui, je vous entends. Oui, pour répondre à Jean-Michel, la corruption, elle est de partout au niveau de la santé. Comme tu l'avais très bien indiqué en montrant des documents liés à la corruption, moi, j'avais fait un bouquin sur le racket des laboratoires pharmaceutiques et comment faire pour s'en sortir. Eh bien, tu vois, l'opacité, quand on met l'opacité ou quand on met le secret d'affaires devant, c'est que très souvent, il y a des conflits d'intérêts terribles. Et ces conflits d'intérêts, en fait, les États sont complices. Tu vois, le fait que la France et l'Allemagne ne veulent pas, par exemple, signer la dérogation dans le cadre des brevets par rapport à l'OMC suite à la demande de l'Afrique du Sud et de l'Inde, pour faire en sorte à ce qu'on puisse fabriquer des médicaments sans utiliser les brevets. Eh bien, ce sont les pays où il y a les laboratoires pharmaceutiques qui ont refusé. C'est le Canada, c'est les États-Unis, c'est la France, c'est l'Angleterre et l'Allemagne. Les autres étaient pour. Il y avait 134 pays qui étaient pour. Donc, on voit que la force des laboratoires pharmaceutiques est telle à l'heure actuelle que ça annihile complètement l'esprit critique des gens. Et les députés européens commencent à s'en apercevoir. Par exemple, ils ne comprennent pas pourquoi les contrats ne sont pas transparents. Au début, ils ne disaient rien. Et puis maintenant, j'ai plusieurs groupes politiques qui me suivent là-dessus. Mais c'est pas, c'est un problème aussi d'éducation. C'est un problème d'esprit critique. C'est un problème de vécu. Et il y a plein de gens qui n'osent pas
et qui se dit s'ils le font, c'est que c'est pour le bien général. Eh bien, moi, mon expérience montre que ce n'est pas pour le bien général, c'est pour leur bien financier. Ça, c'est sûr. Donc, nous, on se bagarre sans arrêt pour la déclaration de conflit d'intérêts. Et moi, j'avais envie de dire quelque chose au niveau des médias. C'est que tous les experts qu'on voit à la télévision, il faudrait absolument que les journalistes leur demandent leur déclaration d'intérêt. Et ils ne le font pas. Et donc, on voit bien quel est le discours qui est tenu. C'est un discours de monocolore. C'est un discours mainstream, comme on dit. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Un dernier petit mot. Je crois que cette corruption systémique dont parlait Jean-Dominique Michel et qui a bien illustré Michel Rivasi dans le secteur sanitaire, en fait, a cours dans absolument tous les champs de notre existence. Chaque fois que des monstres monopolistiques multinationaux se mettent en place, en fait. Et le domaine de l'agroalimentaire n'en est absolument pas exempt. Le domaine de la data n'en est pas exempt. Et finalement, on a ce problème-là que des multinationales se substituent au pouvoir des régulations supranationales et au pouvoir des États. Et tous les champs de notre existence sont dans un niveau de corruption systémique absolument phénoménal. Et je crois que ça y est, c'est le moment, ce que disait Michel tout à l'heure, Michel Maffesoli, hein, c'est le moment du dévoilement, de l'apocalypse, hein, et à nous de maintenant d'inventer autre chose. Et le moment des insurrections, comme disait Michel, effectivement. Bien, nous continuons. Vincent, à toi. Merci beaucoup. Donc, une présentation qui va arriver un petit peu en écho à ce qu'a fait Éric Mena tout à l'heure, puisqu'en fait, il nous a parlé des traitements préventifs médicamenteux qui existaient, qui étaient efficaces et qu'on refuse. Et à la place, qu'est-ce qu'on impose ? Ben, on impose ce qu'on appelle les NPI, les Non-Pharmaceutical Intervention, c'est-à-dire, eh bien, tout simplement des espèces de traitements non médicamenteux qu'on prétend efficaces et dont on peut se demander s'ils le sont vraiment. Alors, bien sûr, il y a parmi cela les mesures de distanciation sociale, les différents couvre-feux, évidemment, et puis donc les masques généralisés en population générale et en particulier chez les enfants. Donc, ce travail que je vais présenter donc, va essayer de savoir si aujourd'hui il existe ou pas des preuves de l'efficacité de ces masques, en fait. C'est un travail qui a été fait avec Emmanuelle Dard, donc une informaticienne, maîtresse de conférence à l'Université de Poitiers, qui fait un travail tout à fait remarquable sur la recherche des données, leur mise en forme et effectivement leurs commentaires derrière. Alors, donc, ce qu'on va faire pour essayer de répondre à cette question, c'est d'étudier en fait les hospitalisations chez les enfants dans la tranche d'âge de 0-14 ans, puisque, eh bien, on sait que ces enfants-là subissent, en tout cas en France et dans de nombreux pays, le masque effectivement à longueur de journée. Et on va voir si bah, dans certaines pathologies, en fait, il existe des preuves ou pas de l'efficacité de ces masques dans la transmission des maladies contagieuses en particulier. Alors, de quels chiffres on va parler ? Qu'est-ce qu'on va aller chercher comme chiffre, pardon ? La source de nos données, celle qu'on a utilisée, bien sûr, elle est publique. Hein. Il s'agit d'aller sur Santé publique France, grâce à l'application Géode, eh bien, d'aller chercher les chiffres par pathologie, puisque cela existe, en fait, et puis d'agréger un petit peu ces chiffres, en fait, pour ensuite en tirer des graphes et des conclusions subséquentes. Donc, le site, il est connu, hein, il est donné ici, c'est effectivement le site de Géode. Et puis, donc, vous sélectionnez sur ce site les pathologies qui vous intéressent, et pour chaque pathologie, on vous donne eh bien, le dénombrement, donc par le fichier au secours qui va compter les hospitalisations, eh bien, du nombre de personnes dans des tranches d'âge données qui vont ou pas subir des hospitalisations pour une pathologie donnée. Alors nous, ces pathologies, on les a concentrées essentiellement, on verrait, sur 3 années, même si vous pouvez aller chercher sur le site eh bien, les données depuis 2010. Donc c'est Emmanuel Dard qui a fait ça de manière extrêmement efficace. Et donc, il y a énormément, bien sûr, vous doutez bien, de pathologies qu'on peut étudier, mais s'agissant de voir ou pas l'efficacité du masque, il nous a semblé intéressant d'utiliser donc effectivement les maladies suivantes, donc la grippe, le Covid, les pneumopathies, et puis les gastroentérites et les asthmes, effectivement, puisque on sait que la gastroentérite, c'est quelque chose sur lequel, en particulier, le masque n'a pas beaucoup d'effet, et donc ça nous intéresse de comparer aux autres maladies, bien sûr, sur lesquelles le masque aurait un effet. Voilà. Et donc, sur toutes ces données, une fois qu'elles sont mises en forme, eh bien, on essaye de tirer un petit peu des grandes conclusions sur eh bien, cette efficacité ou pas du masque. Alors,
L'étude que je vais vous présenter, c'est un résumé de tout le travail, le très beau travail d'Emmanuel Darle, mais que vous pouvez fort heureusement refaire vous-même. En fait, grâce à la création de ce qu'on appelle un Google Collab, alors bon, je sais que c'est un GAFAM qui est utilisé ici, donc attention, mais pour le coup, là, c'est un outil collaboratif très efficace. Et donc, si vous allez à l'adresse suivante, donc https://cut.li avec effectivement le ce petit ici cette petite adresse, et eh bien vous pourrez exécuter vous-même tous les programmes programmés par Emmanuel et donc les récupérer sur votre propre ordinateur. Voilà. Donc allons-y directement par étudier effectivement une première courbe qui est celle de la grippe, puisque effectivement la grippe, c'est ce qu'on essayait en 1918, hein, quand on luttait contre la grippe espagnole, et bien de prévenir grâce au port du masque. Et puis, bon, on s'était rendu compte sans doute que ça marchait pas très bien. Et donc, on voudrait savoir si, puisqu'on a maintenant imposé le masque chez les enfants, donc à l'école depuis, et bien, vous voyez ici la semaine 30 en fait, hein, de 2020, on voudrait savoir si le port du masque chez les enfants a eu un effet sur une maladie qu'on suppose effectivement se propager par des aérosols ou par des gouttelettes. Eh bien, la réponse, c'est non, puisque vous voyez qu'en rouge, en 2020, la grippe est exactement au même niveau que les années précédentes, peut-être même un petit peu supérieure, vous le voyez ici, mais manifestement rien de très significatif. Et donc, ce qu'on constate très bien, hein, bien que les enfants soient masqués ici depuis effectivement la semaine 30, hein, les enfants de plus de 10 ans, et avec ici, vous le voyez, la rentrée de septembre, ici la rentrée de Toussaint 2020, eh bien, on voit que le port du masque chez les enfants n'a eu absolument aucun effet sur l'arrêt de la propagation de la grippe. Alors, ce qu'on savait déjà par l'aveu de Olivier Véran, puisque vous vous souvenez que le 24 septembre 2020, eh bien, devant la commission d'enquête du FINA, il avait lui-même avoué qu'on savait très bien que, s'agissant de la grippe, le masque, de toute façon, ne servait à rien. Et c'est effectivement ce qu'on constate ici. Hein, et vous voyez, d'ailleurs, même sur le début de l'année, il n'y avait aucune différence, bien sûr, sans masque ou avec masque. Tout ça ne change absolument rien. La grippe, donc, n'est pas du tout quelque chose avec lequel vous pouvez lutter via le port du masque. Et donc, on peut se poser la question légitime, mais si ça ne marche pas pour la grippe, pourquoi donc, diable, est-ce que ça marcherait contre la COVID-19? Bon. Donc, la seconde, effectivement, information qu'on peut tirer sur, effectivement, la transmission de la COVID et pour essayer de savoir si le masque marche ou pas, c'est de comparer un petit peu l'évolution de la COVID, donc depuis la rentrée où le masque effectivement est obligatoire, avec par exemple une maladie qu'on connaît bien qui est la gastro-entérite. Et comme vous pouvez le voir ici, entre la courbe en rouge donc qui modélise donc les passages dans les hôpitaux pour cause de Covid et ceux liés donc à la gastro-entérite, vous voyez qu'il y a quelque part un parallélisme dans à la fois la décroissance effectivement du nombre de cas passant à l'hôpital et ici à nouveau une croissance. On a vraiment un parallélisme assez intéressant qui tendrait effectivement à suggérer que puisque ça monte ou ça descend plus ou moins en même temps, et bien qu'il y aurait éventuellement, pourquoi pas, des modes de transmission qui seraient plus ou moins identiques, plus ou moins parallèles. Bon, c'est évidemment quelque chose qui avait déjà été suggéré par les infectiologues en disant que on sait que la gastro, ça passe plutôt par les mains, et on a dit chez certains infectiologues que effectivement le lavage des mains était vraisemblablement et bien le geste le plus efficace pour lutter contre la COVID-19. Et bien là, on aurait une trace avec ce parallélisme entre les cas, effectivement, et bien de l'idée que gastro et Covid, c'est plus ou moins effectivement des maladies qui sont parallèles, donc qui se transmettraient pourquoi pas de la même manière. Et on sait très bien que contre la gastro-entérite, en fait, le masque manifestement ne sert à rien. Alors, on peut le voir effectivement, le fait que ce masque ne sert à rien dans la diapo suivante, en remarquant que vous voyez ici sur les différentes années, donc 2019, 2018, 2017, 2016, eh bien la progression, augmentation ou diminution de la gastro-entérite dans la population est exactement identique en 2020, donc aux fluctuations aléatoires près, bien sûr, par rapport aux autres années. C'est-à-dire que eh bien toutes les mesures, vous voyez ici donc de masques obligatoires, de rentrée ici également de rentrée masquée en septembre, n'ont eu absolument aucun effet sur le nombre de gastro-entérites, en tout cas dans les hôpitaux. Et donc, toutes ces mesures, manifestement, s'il y a une PI, si ces mesures d'intervention non médicamenteuses, eh bien, celles-là, effectivement, elles sont totalement inefficaces, n'ont absolument aucune influence sur la transmission de la gastro. Et si, comme on en a éventuellement déduit par les graphes précédents, on a un parallélisme entre la COVID et la gastro, eh bien, on voit que, de toute façon, manifestement, les mesures de masque ne serviront absolument et définitivement à rien, donc pour lutter, en tout cas chez les enfants,
au niveau donc de la gastro. Alors donc ça c'est pour dire que bah on voit pas très bien les bénéfices du masque en tout cas sur la Covid. Il y en a pas sur la grippe, ça c'est certain. Sur la Covid, manifestement il n'y en a pas non plus. Ça se transmettrait plutôt comme la gastro qui elle-même est totalement imperméable aux mesures de type NPI. En revanche, ce que vous allez voir, c'est que effectivement sur d'autres pathologies de type respiratoire, on va voir apparaître de manière assez inquiétante des augmentations effectivement de ces maladies-là, en fait, corrélées, hélas, avec bien les mesures d'imposition du port du masque. Donc là, en fait, pour le réseau au secours, on a tracé effectivement les variations donc pour les années 2019, 2020, 2008, etc., donc des pneumopathies. Et ce qu'on peut voir, c'est que donc en rouge, là, vous avez effectivement la courbe des pneumopathies donc chez les moins de 15 ans. Donc vous voyez qu'avant le confinement ici, donc qui arrive là la semaine 12, eh bien on a quelque chose qui est en 2020 comparable aux autres années, totalement comparable, un peu même en retrait. On voit que évidemment pendant le confinement, il y a une chute des hospitalisations. Alors non pas parce qu'il n'y a plus de pneumopathies. Parce que tout simplement, vous pouvez plus aller à l'hôpital. Et puis, dès qu'effectivement le confinement est levé, bah, vous allez récupérer par un retour aux soins, si vous voulez, eh bien, des niveaux de pneumopathie élevés. C'est juste, en fait, un décalage dans la courbe. Mais après, vous voyez qu'à partir du moment où on a imposé le masque, effectivement, en extérieur pour les plus de 10 ans, avec ici une rentrée masquée en septembre et en novembre, eh bien, le niveau, effectivement, de pneumopathie chez les enfants reste extrêmement élevé par rapport aux années précédentes, plus manifestement 1,5 fois. Alors, on peut étudier ça de manière un peu plus détaillée en comparant ce qui se passe chez les enfants et dans les autres classes d'âge. Et vous voyez que ici, sur ce graphique, donc les plus ici de 65 ans, bon, ont des petites variations dans les pneumopathies, mais ça reste comparable aux années précédentes. Idem chez effectivement les 15-65 ans, c'est un petit peu plus élevé que les années précédentes en termes de pneumopathie, mais si vous voulez, ça reste tout à fait comparable. Et ceux qui souffrent le plus manifestement des effets qui seraient corrélés au masque, eh bien ce seraient les enfants, avec donc, comme on l'a rappelé, une courbe en quatre parties, une partie donc avant confinement qui est comparable aux années précédentes, une partie confinement où vous n'avez plus de soins, une partie post-confinement où vous récupérez les soins, et une partie à partir du moment où le masque est obligatoire qui est en plateau très élevé par rapport aux années précédentes. Alors en fait, cette courbe en quatre parties sur les taux d'hospitalisation concernant la pneumopathie, donc que l'on voit quand même manifestement corrélée, hélas, aux mesures de type NPI, eh bien on peut les reproduire également chez les asthmes pour les enfants de moins de 15 ans. Donc ici à nouveau en rouge, l'année 2020 pardon, comparée aux autres années, donc 2019 à 2016, avec à nouveau donc effectivement une première partie qui est comparable à avant le confinement. Évidemment, dans le confinement, ça chute parce qu'il n'y a plus de soins. On remonte après le confinement parce que là, à nouveau, on a un retour des soins. Et après, on reste depuis le port du masque obligatoire, manifestement, à un plateau beaucoup plus élevé, donc en 2020, que les années effectivement précédentes. Alors, on peut, comme pour la pneumopathie, tracer, voir que en fait, ces effets d'asthme ils vont surtout toucher les enfants de moins de 15 ans. Hein, ce n'est pas vraiment quelque chose qui va toucher les 15-65 ans, ni effectivement ici, vous le voyez, les 65 ans et plus. En revanche, on voit très très bien ces courbes en quatre parties avec un plateau haut, en fait, dès qu'on va imposer le masque, effectivement, eh bien, chez les plus jeunes enfants. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire sur les chiffres donnés au secours, donc parfaitement public et reproductible grâce à Emmanuel Darle, en fait, que le masque n'a eu effectivement aucun effet sur la transmission de la grippe, bon, ce qui confirme ce qu'on connaissait depuis très longtemps. On voit, donc ce serait intéressant d'étudier plus en détail, que manifestement le Covid a l'air d'évoluer parallèlement au gastro. Donc ça suggère qu'il y aurait une éventuelle similitude dans les modes de transmission donc associés à ces deux maladies donc transmissibles. Et la diffusion de la gastro, eh bien, elle est parfaitement insensible aux mesures de type NPI. Ni masque, ni distanciation sociale, aucun effet effectivement sur la transmission de la gastro. Donc dans l'hypothèse où effectivement ce serait la même que pour le Covid, eh bien on voit qu'on n'aurait absolument aucun intérêt à porter des masques pour prévenir donc la transmission de la gastro. Et le gros problème, c'est que quand même, comme on le voit sur les pneumopathies et sur les asthmes, il semblerait qu'il y ait une augmentation significative donc des pathologies respiratoires effectivement chez les enfants depuis que effectivement, eh bien, le masque est obligatoire chez les plus jeunes. Donc en conclusion, chez les enfants, manifestement le masque n'a aucun intérêt pour lutter contre la progression du Covid ni d'autres maladies respiratoires, mais en revanche ça semble, hélas qu'on a pu le voir en tout cas, créer eh bien, de manière corrélative des augmentations assez inquiétantes de certaines pathologies respiratoires. Voilà, j'en ai fini. Et donc, je remercie beaucoup Emmanuel Darle de nous avoir redonné effectivement eh bien, tous ces chiffres que vous pouvez reproduire via l'adresse qu'on a donnée sur le site. Merci à vous.
Ton micro, Olivier. 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 Ton micro. Voilà. Donc, merci Vincent pour cette excellente présentation. Ça nous montre bien le retentissement sur les enfants, mais on le savait, mais là, tu nous donnes des chiffres concrets. Et l'OMS a dit ces jours-ci, Idriss Aberkane l'a repris dans une vidéo, qu'il y avait eu cette année plus de morts par suicide que par Covid. Donc, effectivement, là, on est tout à fait dans les effets secondaires. Allez, je vous propose tous de réagir à votre tour à cette dernière intervention. Qui veut parler ? Louis ? Moi, je veux bien. Merci beaucoup, Vincent. C'est toujours un plaisir à chaque fois que tu nous présentes quelque chose. En fait, il y a un petit côté savoureux des mathématiques qui remettent un peu la science telle qu'on peut espérer qu'elle nous serve à quelque chose, qui cesse de spéculer, mais qui simplement montre le passé, montre les courbes les unes par rapport aux autres. Et à chaque fois, j'espère que le public goûte ça, hein, que vraiment et que c'est compréhensible pour le grand public, parce que ça faisait un moment qu'on pensait que le masque était toxique pour les enfants de plein de manières différentes, à la fois de manière psycho-affective et aussi sanitaire. Et finalement, là, ce travail d'Emmanuel, il le montre magistralement. Donc, merci beaucoup pour ça. Okay. Beaucoup de familles qui attendent ces arguments pour pouvoir les montrer aux professeurs, aux instituteurs, aux directeurs d'école et même aux pédiatres qui parfois sont lâchés sur ces choses-là. Oui. Si on le dit, on le redit encore, diffuser énormément. Eric, à toi, vas-y. Oui, merci Olivier. Oui, je voulais rebondir parce que d'abord remercier Vincent de ce travail toujours très méticuleux et qui nous aide beaucoup. Moi, bon, évidemment, il prêche un convaincu en ma personne, mais on sait vraiment, en tout cas moi, j'ai vu suffisamment d'études pour savoir que le Covid, la contamination se fait surtout par les mains, beaucoup en ont parlé, le professeur Raoul l'a dit plusieurs fois, et que ça se transmet très peu par le masque, par l'air, donc le masque ne sert pas à grand-chose. Mais pour rebondir un peu sur les interventions précédentes, le masque a un avantage, c'est qu'il montre la contrainte. C'est-à-dire, si on avait dit aux gens, il faut bien vous laver les mains et vous serez moins malade, comment vérifier qu'il se lave les mains? Comment peut-il vérifier que le voisin s'est bien lavé les mains? Comment peut-on vérifier, comment peut-on lui mettre une amende s'il ne s'est pas bien lavé les mains? Donc, on a décidé que le masque, c'était mieux parce que ça se voit. On voit la contrainte, on voit le carcan dans lequel on est enfermé pour rien. C'est ça, c'est ça qui est terrible, c'est que ça n'a même pas servi à réduire l'épidémie. Et ça, je trouve ça une tristesse absolue. Et voilà, donc comment pouvoir lutter contre ce phénomène, parce qu'on est enfermé dans cette croyance qu'il faut absolument avoir tous des masques, et les gens sont tellement convaincus qu'il faut des masques qu'ils ne se lavent plus les mains. Moi, je vois les gens arriver dans mon cabinet avec un masque, et dans les deux minutes, ils font une faute au niveau justement du contact. Ils mettent des dossiers sur mon bureau. Donc les gens font des fautes en permanence. Donc ils se contaminent s'il y a un risque de contamination. Et inversement, ils sont enfermés derrière un masque avec toutes les conséquences psychologiques et psychosociales pour rien. Voilà. Donc, mais je crois vraiment qu'on a choisi le masque parce que ça se voit et qu'on voit qui on contraint. Alors moi, j'ai une question très triviale. Voilà, une question triviale, c'est Vincent, tu as parlé de la grippe et moi, je suis étonnée parce que on n'a pas vu circuler de virus de grippe depuis la fin d'épidémie 19-20. Voilà. Donc, est-ce que c'est la grippe ou c'est les infections respiratoires aiguës globalement? Non, voilà. Non, c'est la grippe telle qu'elle est estampillée par le réseau SCO, en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est syndrome grippo, là. C'est syndrome grippo. Oui, tout à fait. C'est oui, pas la grippe, c'est pas la grippe typée virologiquement, là. D'accord. Oui. Jean-Dominique, tu veux réagir? Non, écoutez, moi je me régale une fois de plus et je trouve vraiment qu'avec les contributions des uns et des autres qui évidemment s'appliquent à des facettes différentes de cette espèce de crise de civilisation extraordinaire dans laquelle on est, eh ben on voit effectivement comment il y a des dérives politiques et financières absolument monstrueuses, comment l'imaginaire collectif est en grand désarroi actuellement, il est désorienté par l'effondrement d'un certain nombre de repères et que d'autres n'ont pas émergé, et puis avec le travail évidemment de Vincent
On voit les données apparaître avec le partage d'Eric, on voit ce qu'il en est de la réalité de terrain, et c'est vrai qu'on navigue tous dans un moment d'absurdité collective qui alors est somptueux quand on a l'habitude de s'intéresser au psychisme collectif et à l'imaginaire, mais qui est aussi tragique de mon point de vue. Il était dramatique dans un premier temps, donc peut-être que le passage du dramatique au tragique va dans le bon sens, mais je trouve qu'il y a vraiment une dimension de tragédie absolue, c'est-à-dire que c'est une espèce de suicide collectif par idéologie foireuse, si vous excusez le raccourci, et dont il va bien falloir qu'on fasse quelque chose tôt ou tard. Alors nous, je dirais qu'on a l'avantage d'une certaine lucidité par rapport à ça, parce qu'on a les référents intellectuels qui nous permettent de penser à peu près cette situation, mais comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on travaille pour que le corps social, de manière vraiment dans son poids et dans sa volumétrie, puisse aller dans la direction d'une prise de conscience qui, par ailleurs, on l'a évoqué à de multiples reprises, est extrêmement douloureuse aujourd'hui. Et je retiens, peut-être en sortant, cette scène que tu nous as décrite, je ne sais plus qui c'est qui l'a fait, mais de patients qui se mettaient à genoux devant des médecins pour pouvoir recevoir un traitement. Je disais qu'il y avait des aspects moyenâgeux dans l'imaginaire scientifique tel qu'il existe aujourd'hui, mais il y a aussi des aspects moyenâgeux dans ce qu'on est en train de faire subir à la population. Et ça, vraiment, ça doit être un grand wake-up call, comme disent les anglo-saxons. Ça doit vraiment nous réveiller à un moment donné qu'on est en train de semer la ruine, la désolation et puis la résurgence de phénomènes collectifs qu'on espérait juguler par la démocratie, mais on doit aussi observer que la démocratie est en phase de délitement. Donc c'est à la fois très riche, très préoccupant, très impliquant, mais je vous remercie pour une soirée qui a été passionnante à tout point de vue. Je reviens sur le propos que j'avais tenu la semaine dernière. Je retiens aujourd'hui encore, c'est que je pense que on a un moment d'extrême traumatisme de notre société et des individus de cette société. Que loin de jeter l'anathème ou de chercher la faute, il y a besoin de soigner ça, de prendre soin de soi. C'est mon rôle de soignant, c'est notre rôle de soignant aussi. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment besoin de prendre soin des instituteurs, des gens qui s'occupent de l'enfance, parce que arriver à comprendre au bout d'un an qu'on a fait du mal à des enfants, c'est très douloureux. Et vous préférerez maintenir un mensonge que de regarder cette réalité douloureuse en face. Et ça, il y a besoin de l'accompagner, d'être des chamans bienveillants par rapport à ça, pour permettre justement de ne pas refaire l'erreur. Des chamans bienveillants pour contrer une idéologie foireuse, suicidaire. Oui. Il y a une sorte de véritable prise d'otage de la population, avec une sorte de mise sous soumission, en disant faites ce que nous voulons, tant que vous n'aurez pas fait ce qu'on veut, eh bien on ne vous lâchera pas. Et c'est pour ça qu'on voit au bout d'un certain temps, effectivement, on voit un peu comme un glacier qui fond, on voit des pans entiers de gens qui disent je ne voulais pas me faire vacciner, mais je me fais vacciner, je ne sais pas ce que ça a donné, mais je veux voyager, je veux avoir mes petits soins, puis surtout j'en ai marre, je voudrais revenir à la vie normale. Et il y a une sorte de pression qui mise la conscience de plus en plus sur la population. Et on est là justement pour vous dire, écoutez, il y a d'autres choses, il y a les traitements précoces, il y a votre conscience, il y a votre capacité, n'ayez pas peur. Ne cédons surtout pas. L'idéologie, théoriquement, c'est de ne jamais céder au chantage et au terrorisme. Et malheureusement, la population cède au chantage et au terrorisme, sauf que les terroristes aujourd'hui, ce sont nos gouvernants, ce sont nos autorités sanitaires, et que beaucoup sont dans le syndrome de Stockholm avec les autorités sanitaires, c'est-à-dire le syndrome de Stockholm, vous savez, c'est l'otage qui finit par être dans la compassion avec ces terroristes. Voilà, c'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. Philippe, est-ce que tu veux nous donner des retours que tu as sur les... Oui, il y a toujours autant de questions et d'interrogations, hein, donc un petit mot sur chaque intervenant. Donc pour toi, Eric, justement, sur les traitements ambulatoires précoces, certains se demandent, mais où trouver des médecins qui peuvent en donner? Et puis Marc dit, bah écoutez, pour se procurer de l'ivermectine en pharmacie, il faut d'abord demander si le pharmacien en donne avant de lui donner l'ordonnance. Alors pour le professeur Maffesoli, donc beaucoup de remerciements et puis surtout d'avoir invité les mythes dans cette réunion. Et puis cette expression de psychopandémie qu'il faut vraiment retenir. Et puis John Johnson, ce n'est pas le vaccin, c'est le nom du monsieur. C'est la cité retrouve son âme quand les technocrates sont liquidés. Je pense que c'est peut-être un bon résumé. Alors pour Michel Rivasi, on ne veut vraiment pas du pass sanitaire ou du certificat vert. Et Marianne demande ben, où en est la justice avec cette situation qui n'est quand même pas normale. Et pour Vincent, c'est toujours passionnant et on se demande pourquoi on n'enverrait pas
ce rapport à tous les rectorats de France et pourquoi pas les associations de parents d'élèves qui sont aussi responsables quand ils imposent le masque à leurs propres enfants. Et puis, alors, un peu hors thème ce soir, beaucoup se posent la question des chiffres catastrophiques au Brésil. On aurait voulu en savoir un petit peu plus. Et puis, ce qui se passe dans les EHPAD où on a l'impression que les gens vaccinés sont contaminés et meurent. Et puis, comme toujours, un petit peu d'humour et d'espoir. Donc, certains nous disent vraiment que le CSI nous permet de redonner, de nouveau croire en l'avenir. Et puis, une petite phrase de Voltaire que Victoria nous glisse. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. Ça, on pourrait peut-être le transmettre à nos médias mainstream. Et puis, un petit mot, non pas de Pierre Rabhi, mais une citation de Pierre Rabhi. J'espère que l'humanité comprendra enfin que la grande mutation sera celle de l'âme humaine. Et puis, Dimitri a toujours un petit peu d'humour. Avant, on disait, quand il y avait un enfant, alors c'est pour quand le deuxième? Les gens un peu bizarres aujourd'hui demandent, mais c'est pour quand le deuxième vaccin? Voilà, un peu le retour des différents internautes. Et le troisième bientôt, puisque vous avez vu que autant Macron que Netanyahou ont clairement dit que Netanyahou dit que le pass sanitaire fonctionnera peut-être pour 2 mois, peut-être pour 6 mois, il faudra peut-être se faire revacciner, donc préparez-vous. Les vaccinodromes vont devenir des institutions habituelles. Suite à la prochaine numéro. Voilà, on arrive sur la fin, je vais vous laisser chacun donner un retour, une sorte de conclusion. Je le dis, je le redirai encore, diffusez, rediffusez. La dernière vidéo, une partie de la dernière vidéo, surtout celle d'Hélène qui était vraiment formidable, a été censurée. Donc, même si c'est une légion d'honneur, on ne court pas après ça. Donc, on va essayer d'éviter les légions d'honneur. Et donc, ce que nous vous proposons, c'est que vous puissiez rediffuser, retransmettre. Si cette vidéo arrive, que vous la rechargez et que vous la retransmettez à tout le monde, il va y avoir une espèce d'effet de masse qui est un peu ce que nous faisons, une trame qui fait qu'il sera impossible de tout censurer, et nous on sera peut-être censuré, mais c'est pas grave parce que vous l'aurez retransmis et vous aurez retransmis toutes les vidéos. Voilà, je vous laisse tous la parole pour un petit mot de conclusion. Qui est-ce qui veut commencer? J'ai pris la parole pour garder l'ordre initial et en même temps répondre à la question de Philippe et à tes interventions, Olivier. Il est évident, on commence à voir effectivement des épidémies dans les EHPAD. Ça fait quelques semaines que ça a démarré. Dans des EHPAD où on a des taux de vaccination de 90%, il y en a eu aux États-Unis, il y en a en France. On vient d'avoir au moins deux articles officiels sur des épidémies avec des patients vaccinés qui sont morts. Alors, évidemment, ce sont des personnes très âgées, fragiles, etc. Et c'est quand même triste pour autant. Et surtout, le vaccin ne les a pas protégés. Mais ça, on le sait depuis le début, tout le monde l'a dit. Les vaccins ne sont pas efficaces sur les variants. Donc, faudra-t-il une nouvelle injection? Oui, mais pas du même vaccin. Parce que si on fait le même vaccin, il sera toujours aussi inefficace. C'est vrai qu'il faut bien comprendre qu'avant de faire une nouvelle injection, il faut un nouveau vaccin. Le nouveau vaccin, on ne l'a pas. Déjà, on n'a pas réussi. Je vous rappelle qu'en France, on est à 19% de la population vaccinée, donc c'est avec deux injections. Donc, c'est quand même encore très faible. Je pense réellement, pour conclure, que la seule solution, comme je l'ai expliqué dans ma présentation, qui peut nous faire sortir de cette impasse, c'est de soigner. Le vaccin ne nous fera pas sortir de l'impasse. Le vaccin, ça va juste, on va se faire vacciner, effectivement, comme tu le dis, Olivier, les vaccinodromes vont s'installer définitivement. Je pense que le Stade de France, il faut le fermer tout de suite et y installer un grand vaccinodrome parce qu'on en a réellement besoin pour les années qui viennent, parce qu'il faut vacciner 50 millions minimum de Français tous les 6 mois avec des nouveaux vaccins pour pouvoir suivre les nouveaux variants. Ou alors on soigne. Et je suis désolé, mais si on soigne, les hôpitaux se vident et l'épidémie sera probablement vaincue. Merci Eric. Est-ce qu'on pourrait remettre, réafficher un peu plus longtemps ce qui a été mis en bas pour contourner la censure? Oui, je vais en parler un petit peu, si tu veux bien, Olivier. Merci beaucoup Eric. Finalement ça rejoint quelque chose qu'a dit Michel aussi, cette aporie dans laquelle on est arrivé, c'est-à-dire le bout du raisonnement qui tourne en boucle et qui est un peu la logique de il y a un problème, il faudrait qu'il y ait une solution, qui est une logique d'ingénieur, alors qu'en fait on est dans une situation inextricable. Ce que disent aussi les collapsologues, hein, ils prennent l'anglais et disent on n'est pas dans un problème avec une solution, on est dans un predicament, quelque chose où il n'y a pas de solution, quoi. Il faut juste faire avec. Il faut faire avec et prendre soin de ça. Et il faut prendre soin des patients, il faut prendre soin de notre société
voir se déliter notre démocratie, voir se déliter notre système financier, voir se déliter notre société, mais en prendre soin et reconstruire quelque chose. Donc, bah voilà, vous l'avez compris, hein, le propos, c'est de dire il n'y a pas de baguette magique. Et peut-être même que le traitement ambulatoire précoce, moi je suis un petit peu plus prudent qu'Eric, peut-être là-dessus, mais je pense que c'est même pas une baguette magique. En fait, il faut que les gens prennent soin de leur santé, de leurs facteurs de risque aussi, de leur hypertension, de leur diabète, de leur obésité, de leur façon de manger, de leur façon de se nourrir, dans tous les sens du terme, à la fois symbolique, intellectuellement, culturellement, en termes de joie, d'humour et de relations. Et donc voilà, ça c'est pour le côté sanitaire et sociétal. Et puis pour quelque chose de peu plus pragmatique, il y a beaucoup de gens qui nous demandent « qu'est-ce que je peux faire ?» Qu'est-ce que je peux faire? Je vois bien tout ce que vous dites, mais je me sens impuissant. Bah oui, vous êtes impuissant tout seul, mais à plusieurs, bien groupés, bien ensemble, vous commencez à avoir énormément de puissance. Et une toute petite chose que vous pouvez faire, c'est ça, en fait. C'est de nous rejoindre tous les jeudis soirs sur le site de Réinfo Covid et bientôt sur le site du CSI qui va sortir bientôt, qui est en cours de préparation, Eric et Olivier, et pour nous voir en direct. Et là, il n'y aura aucune censure à cet endroit-là. Parce qu'on arrivera toujours à diffuser d'une manière ou d'une autre. Et si on se donne rendez-vous jeudi prochain à 21h à cet endroit-là, ben en fait, on se retrouvera quoi qu'il arrive. Je crois que c'est l'enjeu, en fait, c'est de vous retrouver les uns les autres au sein de vos collectivités locales, au sein de votre enracinement local, reconstruire le réel chaque jour, comment vous mangez, comment vous vous soignez, comment vous prenez soin des personnes âgées, comment vous prenez soin des enfants, comment on prend soin les uns des autres. Voilà, c'est ma petite bouteille à la mer, mon message d'espoir. Vous uploadez tous cette vidéo, vous créez une page Facebook, vous créez une page YouTube, vous créez une page tout ce que vous voulez, et vous remettez la vidéo dans le circuit, vous la réinjectez dans le système jusqu'à ce que les gens aient compris. Alors, je voulais rebondir un peu sur ce qu'était Louis. Alors, la force de ce CSI, je pense que j'ai justement la verticalité, puisqu'aujourd'hui, on était de la Sorbonne aux médecins de terrain. Et puis, comme c'est notre troisième séance, eh bien, nous avons parlé médical, nous en parlons anthropologie, nous en parlons sociologie. Et je crois que c'est tous unis, justement, dans nos diversités, aussi bien au niveau de nos compétences et nos expériences, que bah, nous gagnerons face à cette terrible tragédie qui n'est pas forcément sanitaire, mais beaucoup plus sociopolitique. Oui, moi j'aimerais terminer bêtement par une petite citation d'un mathématicien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Laurent Schwartz, qui disait donc en conclusion de sa biographie, de son autobiographie, « La découverte mathématique est subversive et toujours prête à renverser les tabous et dépend très peu des pouvoirs établis ». Voilà, donc ce sera un peu de la fin le pouvoir n'aura pas les mathématiques avec lui. Oui. Schwartz avait refusé d'ailleurs certains prix, non, Vincent, c'est ça? Laurent Schwartz, il avait été médaille Fields, extrêmement impliqué dans tous les combats politiques contre la guerre et la torture en Algérie. Effectivement, il avait été viré de Polytechnique pour ça, réintégré après. Il a combattu l'antisémitisme qui sévissait à l'époque, hélas, en Union soviétique contre certains mathématiciens. Donc, un mathématicien aux prises avec le siècle et qui devrait servir d'exemple, je l'espère, à de nombreux de mes collègues. Merci Vincent. Qui veut prendre la parole? Allez-y, Michel, Jean-Dominique, Michel, pour conclure. Michel, moi. Allez, Michel Pézoli, oui. Vas-y, à toi, là, ton mot de conclusion. Non, oui, bon, de conclusion, c'est dommage parce que on aurait envie que ça continue. En écoutant parler des masques, je pensais à cette situation médiévale, hein, du bal masqué à la danse macabre. Et de fait, on est un peu dans ce passage de la arrivée proche de la danse macabre. Mais le mot, enfin, moi, ce qui me préoccupe toujours, c'est que il y a un rationalisme morbide, ainsi que je le disais tout à l'heure, qui traduisent tout simplement le fait. Moi, je vais prendre la parole. Moi, il y a quatre mots qui me viennent. Michel, s'il te plaît, Michel est en train de finir dans un instant. Vas-y. Je crois que Michel a dit un décalage horaire. Oui, je disais, le fameux rationalisme morbide, c'est quand la philosophie des Lumières, il ne faut pas l'oublier quand même, c'est ceux qui continuent à être le mythe du progrès, le mythe des politiques, des journalistes et des pseudo-experts, eh bien, cette philosophie des Lumières est devenue clignotante. Et quand cela arrive,
il y a un processus, je dirais, comme ça dans les histoires humaines, d'obscurcissement. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a l'obscurcissement. Pour moi, c'est ça la danse macabre. Mais chaque fois qu'il y a obscurcissement, il y a toujours une renaissance qui est là, en attente. Et c'est là où je serai moins pessimiste que vous. Je considère, si vous voulez, qu'on assiste à un processus de saturation actuellement. Encore une fois, de l'imposition des gestes barrières, du masque et autres tyrannies sanitaires. Mais, si vous voulez, le processus de saturation, là, en sociologie, ça a été développé par un sociologue américain qui s'appelle Sorokin, sociologue de la culture, qui montre que c'est toujours le dernier, il parle du verre d'eau que l'on sale et que l'on sucre et qui, à un moment donné, est saturé. Mais c'est toujours le dernier grain de sel ou de sucre qui fait que le verre d'eau est saturé. C'est un peu, pour moi, ce qui est en train de se passer actuellement. Manifestement, il y a cette danse macabre. Manifestement, il y a ce délitement du lien social. Et puis, il y a quand même quelque chose qui fait que, d'une certaine manière, il y en a assez. Alors, les médias mainstream n'en parlent pas. Mais la multiplicité, je dirais, de ces formes d'insurrection et de soulèvement actuels existent, et sociologiquement, là, on les voit, si vous voulez. Et c'est là où, d'une certaine manière, je crois qu'il convient de garder espoir, en effet, au travers de ce que vous faites, mais aussi en étant attentif un peu partout. Moi, je vois dans mon quartier, je vois dans mon village, etc., le fait que la saturation est là. Voilà. Donc, du coup, la danse macabre n'aura pas forcément une longue vie. Merci. Merci beaucoup. Michel Rivasi, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu veux parler? Est-ce que Michel est avec nous? Oui. Moi, bien, on va attendre qu'elle revienne. Hélène, est-ce que tu veux donner un mot de conclusion? Oui, mais je dois y être, là. Oui, mais d'abord, un grand merci à vous. Parce que vous savez que ça fait plaisir d'entendre un discours différent de ce que j'entends au niveau du Parlement, bien qu'il y a quand même des députés critiques et qui se posent toute une série de questions. Donc, d'abord, un grand merci. Deuxième chose, j'avais envie de dire, il faut reconstruire, parce que la situation qu'on vit, c'est qu'elle n'y a pas du hasard comme ça. On s'est fait trop... je dirais manipuler, téléguider par à la fois des lobbies qui nous commandent et qui veulent reprendre le fil de l'histoire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils ont parlé d'un traité international pour lutter contre les pandémies. Donc, il y avait l'OMS. Donc, vous voyez qu'ils veulent toujours avoir une gouvernance internationale pour mieux maîtriser ce qu'il en est, donc maîtriser l'homme. Et je me dis que pour finir, il va falloir défendre la vie. Et la vie, elle passe en collectif, elle passe par, souvent M. Fouché parlait de bienveillance, elle passe par les soins vis-à-vis des autres. Et je pense que tous ensemble, en collectif, c'est très important d'être à plusieurs. Parce que d'abord, on se raffermit et puis on montre qu'on n'est pas tout seul à penser dans son coin et dans sa ligne. Je pense qu'on pourra s'en sortir comme ça. Voilà, c'est un espoir et en même temps, il faut qu'on se rende compte de cette réalité qu'on a et qu'on a construite parce qu'on n'a pas été assez vigilant. Voilà. Donc, appel à la vigilance, à la coordination et puis à la vie. Merci, merci beaucoup. Philippe ou Hélène, est-ce que vous voulez donner un mot de conclusion? Philippe, peut-être? Disons que j'ai déjà donné la mienne. donc, voilà. Voilà, je pense que tout le monde Jean-Dominique. A donné sa conclusion. Jean-Dominique, tu as donné ta conclusion aussi, je crois? Oui, moi je l'ai aussi donné, juste que j'adore la manière dont nos champs de compétences et nos expériences respectives se complètent pour donner quelque chose d'encore plus ample. Et il y a une citation que j'aime beaucoup, elle est de Mao Tse-Tung, je m'en excuse, mais elle est très belle, elle dit de défaite en défaite jusqu'à la victoire. Et c'est vraiment quelque chose qui m'anime et je me réjouis de l'ère des soulèvements qui vient. Et faisons en sorte que le soulèvement soit beau, qu'il soit bon, qu'il soit utile et qu'il débouche sur un monde qui soit désirable. Parce que le monde que nous propose la rationalité imbécile qui nous afflige
est un monde qui n'est pas désirable. Merci. Bien, alors, comme petit mot de conclusion personnelle, puisque Michel nous a parlé de la Grèce antique, moi j'avais envie de vous citer l'histoire de la tour de Babel. Souvenez-vous, à une époque, les humains veulent, le roi veut absolument tout uniformiser. Le roi, il pourrait s'appeler Google ou la grande finance mondiale, ils veulent tout uniformiser. Il veut défier le monde en faisant monter une tour jusqu'au ciel. Et de façon à assurer la toute-puissance un petit peu dans une sorte d'unité, que tout le monde soit absolument pareil, tous contrôlés par la 5G, par le passeport sanitaire, et donc dans une sorte de défi de ce monde qui se croit tout-puissant dans son immortalité. Et à ce moment-là, et on voit que l'histoire n'est pas nouvelle, puisque Dieu déclenche une calamité et il fait deux choses. La première, qui est très connue, c'est que il décide de séparer les langues. Et chaque personne reparle d'une langue différente. Et j'ai envie de dire que là, c'est le retour de la biodiversité. C'est le retour des autres langages. Il n'y a pas une vérité, mais il y a plein de vérités. Et c'est l'ensemble des vérités qui fait qu'à un moment, en cas de catastrophe, de même que quand il y a beaucoup d'espèces de plantes, quand il y a une maladie qui arrive, et bien s'il y en a une qui meurt, il y en a une autre qui reprend. C'est toute la biodiversité. Mais il y a le petit clin d'œil qui n'est pas très connu, c'est qu'en fait, il y a une mouche microscopique qui rentre dans le nez de tous les gens qui construisent la tour de Babel pour les paralyser littéralement dans leur mission. Et j'ai envie de dire que cette petite mouche microscopique, ça me fait assez penser à l'époque quand même, il y a 3000 ans, avoir imaginé ça, je trouve que c'est quand même une allégorie assez intéressante. Voilà, merci Michel, merci Philippe, merci Vincent, merci Michel, merci Eric, merci Louis et Hélène, merci à toute l'équipe d'organisation, merci à Jean-Dominique. Diffuser, rediffuser, c'est très important. Dire que vous avez votre avenir entre vos mains, on vous donne des armes, des possibilités, utilisez-les. Ce CSI vous appartient, ces conférences sont à vous. Faites avec votre cœur, avec toute votre énergie, et tous ensemble, nous avons une grande capacité à porter un autre discours avec une autre vérité, une autre liberté, une autre conscience pour tous. Voilà, à très bientôt et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Notez bien dans vos agendas, jeudi prochain, le CSI, toutes les semaines, pour vous. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir, merci. Au revoir, merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.